nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me l'a mis. Il est allé au couloir. If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Your location has been... Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson? Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors, tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la personne. Opi a donné 1€. Merci mec, il pourra m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse balade. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à mon gosse et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Oh man. Yeah! Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylon. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylon et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Six Dark Six PS4, il avait fait un kill l'autre fois avec une putain de WhatsApp avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. Jamais été un poster, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax, on est malades. On est animaniacs. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, elle ferme ta gueule. Bon coucou. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je veux les prendre, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Joué. Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui petit cul dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
Comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que vous avez passé un bon et agréable hier soir aussi, puisqu'on s'est couché tard. Allez, rentrez, rentrez. Rentrez! Allez, rentrez! Voilà, c'est pas dur. Bon, alors, comment ça va tout le monde? Vous allez bien sur le campus de cette Salty Academy? Vous avez passé une bonne journée comme je vous le demandais? Hein, vous avez bossé, vous avez fait quoi? Merci infiniment, merci beaucoup déjà à Search79 pour les 17 mois déjà que tu payes au sein du campus de cette Salty Academy. Le monstre, 17 mois bordel, putain la vache, j'avoue. Merci beaucoup poulet, ça me touche énormément. Merci aussi à Diablo YouTube One, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus Diablo. Merci les poulets, vous êtes des monstres. Rendez-vous, quoi rendez-vous? Rendez-vous où? Avec qui? Faire quoi? Route? Boulot? Je suis malade depuis 2 jours et je viens quand même sur le campus. Quel bon étudiant que je suis. Ouais, j'avoue, Nayoxi. Mais t'es pas un étudiant, du coup. T'es juste un membre du Salty Fan Club. Il manque un truc. Petite journée plafonnage pour ma part. Plafonnage, c'est-à-dire... C'est-à-dire, tu voulais évoluer dans la société et tu t'es rendu compte qu'il y avait un plafond. C'est ça? Et du coup, t'étais plafonné? Non? Ou plafonnage, t'as repeint un plafond? Hein? Voilà quoi. Sympa, on m'insulte de monstre. Ah, grave. Ophtalmo, j'ai déjà bien bossé le repos et pas de refus. Ophtalmo, putain la vache. Le truc, t'as lu des lettres et tout là? C'est bon? T'es arrivé à voir la différence entre le B et le P? Hein? Voilà quoi. Quel chômeur ce 6-4? Ouais, je crois pas, non. Il y a marqué JL devant mon pseudo? Non, bon bah alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci évidemment, Biu35 pour les 23 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet. Hein, putain. Quand on y est, on y reste. Ad vitam aeternam. Eh, regardez. Eh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui attendent ça? Eh, c'est pas la classe un peu ou pas? Ah, je vais l'afficher. Je vais le garder. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, bah ouais, normal, ouais. Regardez avec, avec la petite incrustation du logo de la Salty Academy. Sur le Little Bird, si ça c'est pas la classe, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Hein, voilà. Franchement, les designers du campus de la Salty Academy, quand même, c'est pas des noobs. Hein, ils sont ouf. Non, franchement, c'est incroyable. Et du coup, on attend ça. Hein, on attend ça. Eh, la semaine prochaine, hein. Et ouais, ça avance à grands pas quand même. Hein, on y est presque, hein. Oh là là, je vais avoir là. Ok, Ovara Gamer, pourquoi j'ai lu ça, moi? Je devrais lire dans ma tête avant de le lire tout court. Hein, toujours en cours, ok Bruxax. En vrai cours ou ici? Salut 6, j'ai sans doute pas suivi. Tu as fait un avis global sur Zero Hour? Ouais, tu peux faire point d'exclamation YT, poulet. Il y a une vidéo sur Zero Hour. Donc, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, j'en parle dedans. Ouais, carrément. Comme on dit chez nous, Psartek. Ok. En devenant étudiant, je pourrais avoir plus de skills sur R6. Ouais, et pas que sur R6. Mais ouais, tu pourras avoir forcément plus de skills. Clairement. Mais clairement, c'est une obligation ça. Salut Six, comment on fait pour avoir le charme? Pourquoi l'exclamation de charme, poulet? Bonjour tout le monde, comment ça va? Salut tout le monde. Bon, c'est la classe en tout cas. Bon, vous l'attendez tous, Battlefield, je l'espère, quoi. Hein, franchement, vu qu'on n'a rien eu à se mettre sous la dent, tous les gens qui vont dire « Ouais, pas trop. » Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ok? Je n'y crois pas. Ok? C'est sûr et certain. Trop. Non. Bah ouais. Salut Six, comment on fait pour avoir ton charisme? C'est impossible, Defman. C'est impossible. Que veux-tu que je te dise? Il faut arrêter de regarder Mary déjà, Defman, c'est pour ça. Déjà, parce que ça fait baisser ton charisme. Ah, voilà. Tu peux lire le message de la commande que je viens d'envoyer, Diablo? Ah oui, pour prendre les sensations de charme, effectivement. Hâte de la bêta, ouais. Ouais, hâte de la bêta, ouais. Ah ouais. Bon, il y a des trucs que j'aimerais bien vous faire voir, mais je peux pas vous les montrer, donc je vais me faire engueuler, je vais me faire taper sur les doigts. Mais ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. BF2042, c'est tout ce que j'attends depuis l'annonce. On est d'accord ou quoi? Non, il y a Back 4 Blood aussi. Back 4 Blood qui sort la semaine prochaine. Donc voilà quoi. Ça va être cool. Ça va être cool. Le week-end prochain va être génial. Bah non! Pas le week-end. Attends, que je regarde. Parce que la bêta s'arrête le 9, poulet. Elle s'arrête samedi. Donc pas tout à fait le week-end. C'est chiant d'ailleurs qu'ils arrêtent pas le 10, quoi. Que les gens puissent y jouer le dimanche. Voilà, t'es obligé de prendre ton samedi là, hein, pour le coup, quoi. Voilà, mais à partir du 6 au matin, soyez là, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très, 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 très lourd. Très, très lourd. Alright? Et excellent Back 4 Blood. Oui, oui, oui. Et on va y jouer avec de belles personnes, avec des gros streamers. Donc ça va être cool.
Vraiment, j'ai hâte aussi, quoi. Pas mal de trucs arrivent de toute façon au mois d'octobre, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Voilà, ça c'est cool. Alright. Bon, passons dans le studio parce que du coup, j'ai pas 36 000 heures. Ce soir, je coupe un peu plus tôt, vers 18h30, 19h, je pense. Je vais devoir fermer les portes du campus de cette Salty Academy. Donc c'est un stream pas comme hier où on a fait 6h30. Dying Light aussi, putain, ça me fait chier qu'il ait été repoussé, quoi. Vraiment. Ouais, voilà, repoussé au 4 février du coup. Ça aurait été cool s'il arrivait mi-décembre, hein, comme il l'avait prévu. Ou alors début janvier. Début janvier, ça aurait été pas mal aussi. Franchement, ça aurait pu être sympa, je pense. Parce que ça aurait été parfait. Ça aurait été deux mois après, enfin un gros mois après Battlefield. Vraiment, ça aurait pu être cool, quoi. Du coup, let's go, on va faire du R6. On bouffe plein de R6 au mois d'octobre, puisqu'après, il y en aura moins, forcément, avec Battlefield et Back 4 Blood et tous les trucs qui vont sortir. Mais bon. Voilà quoi, il y aura quand même de belles choses avec les Salty Duels au fin du mois. Soyez là, soyez présents, parce que si vous n'êtes pas présents, bah c'est mort. ce sera le dernier, c'est un peu... Hein ? Non, c'est clair. Bon, ça va tout le monde sinon ? Ok. Heureusement, je suis en vacances MDR, vas-y putain, je veux pas entendre parler de ça quoi. Des vacances, ça fait un an et demi que j'ai pas pris. Un an. Alright ? Du coup, et en ce moment, il pleut à mort sur le campus de cette Salty Academy. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon, il y a toujours un microclimat au-dessus du campus de l'ASA. Mais voilà quoi, en ce moment, encore plus. Alright, let's go, let's fucking go. Ça se mange les vacances ? Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Ah putain, j'ai fait une mise à jour, c'est pour ça qu'il me dit Optimizing Shader. Ah, c'est possible. Mm-hmm. Parce que j'ai fait la mise à jour de Nvidia. Il y a l'open beta de BF qui sort dans pas longtemps en plus. Oui. Ouais, je crois que je l'attends, ouais. Ouais. Ça arrive très bientôt. Bah, le 6 au matin. Normalement, le 6 à 9h du mat, ce sera ouvert. Normalement, la bêta. Du 6 au 9, il me semble. Donc voilà. Donc ça va être... non, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool parce qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même ces derniers temps. En particulier en FPS multijoueur, voilà quoi. Elle est open ? Ouais, elle sera open. C'est du 6 au 9, ouais. Ouais, ce sera ouvert pour tout le monde, ouais. Nous, vous verrez, il y aura des trucs. Ouais, je suis un peu excité. J'ai hâte. Mais ouais, c'est ouvert. Après, est-ce que... Je ne sais pas si c'est ouvert pour tout le monde. Je pense que c'est exclu PC, j'imagine. Voilà quoi. T'as testé avec Vanguard ? Pas du tout. Hop. Merci infiniment, Ovara Gamer. L'homme qui ne s'arrête pas. Et il s'arrête pas de payer des droits de scolarité à tout le monde. Le monstre. Merci infiniment d'avoir offert la possibilité à Camouflage Caca de payer depuis 16 mois ses droits. À Tagli, à Papaye Bleu, à Jojo Cacao, à Rayarktar, à Puma, à Ostoma, à Nouboutin, à Dadou Freddy, à Thibaut Lebat. Et je peux pas les dire du coup. Vas-y, attends, j'alt-tab. Le monstre. Merci infiniment du coup, Overa Gamer, pour les 10 droits de scolarité. Envoyez déjà plein de GG, plein de putain de cœur pour Overa Gamer qui vient de payer 10 droits de scolarité à 10 personnes différentes. Le putain de monstre. Ouais. Et merci infiniment à Surigno du coup qui... Je voulais faire un live chillax. Alright. Petit live chillax. Qu'est-ce qui vous arrive les deux là? Mais arrêtez la bagarre entre les deux. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sourigno, d'avoir offert la possibilité à 50 personnes de devenir des étudiants au campus de la Salty Academy. Le putain de monstre. Envoyez-lui plein de GG. Spammez-le. Sourigno avec un Y. Merci beaucoup, Poulet. T'es un monstre. Merci pour Zelda Rome, pour Chalkwave, pour EasyX Live, pour Alias TV, Bizu, Achum BZH, Mr. Kingdom, Azrael BZH, plein de BZH. Fredo Gaming, Dagams, Nikao, PZ Jag, Grebekov, Black Dexter, Shoops, Chris 44 Sang, Termina Gamer, Joss 02, Kaku, Toxic AV, Canix V, Totoni, Lunatif,
Raoul, Rotrez, Kufa, Sograna, La Détail, Hannibalk, Zorix, Switchmap, Corwin, Cowin, Table Chaise, Valgaming, Shax, Maxou, Désolation, Tentacule, Lacus, Raptors, White Lex, Pandar, Rewan, Bruce Wayne, Lou, le vrai, Teletubbies Magic, Raflux on the Flux, Detroit, Le Beau Gosse, Nifun et Sofianek se font payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Deux secondes, je vais boire un peu parce que là, du coup, je peux plus parler. Ah, alright. Et ensuite, derrière, on a eu OverAGamer qui s'est pas laissé faire et qui se dit bah non, moi je vais en rajouter 40, tu vas voir. Du coup, il vient de payer la possibilité à 10 personnes, enfin à 40 personnes en plus des 10 qu'il avait déjà payé. Donc pour Oniba, pour Enzo, pour Interstellarius, à Tamer le Citron, Medav, Shark Esport Alpha, Minisulf, Jarico, Gola Reality, Vaco, Viscode TV, Medi94, Corentin444, Pingri, Stony Ven, Masco, Leto77, Didou98, Cookie Sucré, Skrillex, Thomas, Niro, Elijah Carbon, Juke Hair. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Fausse route. Xo, Ibana, Clampin. Ah, le mec meurt en live. Adam Feitos, Kermi, Apogee7, Altair, McCain, Samad, JL Erosion, Kneki, Sam, Trengs, Tête du 64, Eldigi, Muji Warache, Matou44. Merci infiniment. Et Liam Lozé aussi. Putain, j'avais oublié. C'est bon, je les ai tous cités. 50 personnes. 100 nouveaux étudiants. Just like this. Vous êtes des monstres, les mecs. Franchement, merci infiniment. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Vraiment, vous êtes des putains de monstres. Franchement, que demande le peuple. Merci beaucoup pour les 100 droits de scolarité payés à 100 personnes différentes. À OveraGamer, du coup. Et sur Inyo, vous pouvez leur envoyer plein de GG, plein de cœurs, plein de trucs, plein d'emotes. Merci infiniment, Docteur Protox aussi, nouvel étudiant, bienvenue à toi. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup. Yeah. Vas-y, Bantem Park. Vous êtes des monstres, les amis. Des monstres. Mon PayPal a glissé, chef. Ouais, tu m'étonnes, là. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe, là, sur Inyo? Qu'est-ce qui se passe? T'as signé un gros contrat ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu sais si t'as reçu un email qui te disait du calme à Chocotube. Merci UR Games d'avoir offert la possibilité à iCafé ses droits de scolarité. Merci au Clair au Chocolat, à Chocotube, d'avoir offert la possibilité à Arkis 2000, à Sobrité WD, à Nouvi, à Blowski et à Rafflet leurs droits de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Qu'est-ce qui vous a... C'est quoi? C'est le temps de merde sur la France qui vous qui fait que ça active des trucs en vous. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les September est terminé, hein. Je dis ça, 773% sur le train de la hype. Mais... en one tap, comme ça, tu vois. 780% le chouchou, nom de Dieu. Non, on est juste riche. Ok, clair au chocolat. Ok, ok, ok. C'est une bonne réponse, quelque part, j'ai envie de dire. L'annonce de Battlefield me fait craquer. Ah putain, moi aussi, arrête. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je peux pas vous en dire plus, mais... 9h01 sur la chaîne YouTube de la Solty Academy. Le 6. 9h01. Ok. À partir de ce moment-là, parce que ça doit être le... C'est l'annonce qui a été faite, je pense. Enfin, en tout cas, ce sera le matin, quoi. Il y aura du contenu sur Battlefield. Et après, non fucking stop. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'espère vraiment que le jeu va perdurer. Vraiment. Qu'est-ce qu'on va prendre à part la sauce. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas quoi je vais... Alright, pardon. Désolé. Let's go. Je serai à l'hôpital. RIP. Quoi? Quand ça? Le 9? Regardez comme il est beau ce charme. Enfin, ce charme, surtout ce skin en fait. Il est beau ce skin, hein. Franchement, c'est rare que j'en paye un. Et celui-là est vraiment beau pour le coup.
Et ça aide les équipes, donc profitez-en. Surya is coming. He's coming up. Guys, mais ils font quoi les photos des îles là? Can you reinforce this? Ah ouais d'accord, on fait ça du coup. Ça, c'est de la merde. Ah là, vous avez pas le temps de mettre de l'autre côté. Not this one actually. It's okay bro. Désactiver le truc, il en a envoyé deux. Ok, personne ne prend le rouge. Il ne tire pas dessus. Nice, nice. There is one in the red stairs. Oh, c'est quoi ces plots? Oh, vivement BF. La hype autour de BF va durer 3 mois, après elle sera aux oubliettes. Bah franchement 3 mois c'est déjà pas mal, non? Franchement. Est-ce que 3 mois c'est pas mal? Est-ce qu'on a le droit un peu de kiffer s'il vous plaît les amis sur un nouveau jeu quoi? Moi j'en peux plus en fait. Hein, d'être toujours sur le même jeu, si ça vous dérange pas. Ouais. Oh le crosshair placement, mon dieu. Hey, bro, vas-y. Je prends en coaching, moi. MDR. Merci infiniment, OvaraGamer, pour Rush. Merci, OvaraGamer, pour Blazer. Vous êtes des monstres. Merci, Low Kangir, pour les 3 mois de frais scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Des putains de monstres, les amis. Merci beaucoup. Un beau train à 800%. Franchement, 800, c'est... Enfin, bah, après, je... Voilà. Il y avait un truc devant toi quand même. Oh les totos. 800 c'est bien mais c'est pas... Enfin... Bah vas-y je vais pas le faire parce que je vous connais là les deux là. Ah bah ouais, tu voulais dire 1000 là? Ah bah ouais on va faire 1000 là. Du coup j'ai tué personne. Ah non je prends la 6 sur l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait là? Allez vas-y. Vas-y, bah fous le camp, t'as raison. La prochaine fois, ouais, non, garde ta thune au voir un gamer un peu. Fais-toi plaisir ce week-end, ok? Fais-toi plaisir. Va faire un bon restaurant. Invite monsieur ou madame. Ou les enfants, ou je sais pas quoi. Ou le voisin. Le vigile a fait 2 kills quand même. Ouais, je pense qu'il a trébuché, mec. Je pense qu'il a trébuché. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, vu le niveau, on va les spawn kill, on va pas les respecter. Hein. Ou pas.
Non, on va rien faire avec eux, sérieux. Hein. Ah merde! Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être assez con pour rester là. Ah ici. Oh, il avait un gros aim lui. Hein. He's on my ping, right on my ping. Yellow ping, top armory. Main stairs. Or armory, I don't know. Ah, il a le même skin. Et le typique advantage, ça aide sur un gros transfert comme ça. Faut il a même pas tiré. Merci infiniment PM, nouvel étudiant du campus, t'es un monstre poulet. Merci beaucoup vraiment les amis. Un jour je ferai un kill peut-être, non? 0-2. Ok. Oh là, ça arrête pas, vous êtes des monstres les amis, vraiment, vraiment des putains de monstres, sachez-le. Merci beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Ah oui, on a la date qui a été annoncée. Battlefield 2042 sortira le 19 novembre, entre parenthèses, 12 novembre en Early Access. Ça a été annoncé hier. Alors je sais pas s'ils l'ont annoncé encore sur le... Parce que j'ai demandé ce matin au mec Guillet, justement, on en discutait. Et je dis mais ça a été annoncé ça? Et il m'a dit oui. Il m'a dit alors c'est peut-être pas encore balancé par Battlefield France, mais on peut en parler étant donné que ça a été balancé sur les blogs et par le community manager ou l'un des devs, voilà quoi. C'est pas un secret quoi. Donc c'est le 12, l'accès anticipé. Ce qui n'est pas deux semaines avant, mais une semaine avant. Voilà, donc moi je serai dessus le 12, ça c'est sûr quoi. Donc ça on peut le mettre. On peut le mettre quelque part. Salut tout le monde, salut Théo, comment ça va? Dans la QAD. Brother in kitchen. Ready? Alors s'ils sont dans la kitchen et qu'on peut faire un kill par au-dessus, moi je dis, ils sont là. Oh là là, je l'avais en plus, quoi. C'est tellement smart. What? Planting, bros. Non, il peut pas être là puisque lui, il doit être là-bas, là-derrière. Là, il vient de se mettre dans les toilettes, le bug. Non? All friendlies were eliminated. Mission failure. C'est quoi ça, là? Vous avez entendu là? PMI de un croisillon 6-4. C'est pas la première fois que ça me fait ça en fait. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui est apparu à l'écran quand ça a fait ça?
Je sais pas pourquoi ça me fait ça parfois. Merci Ulrich pour les 23 mois de frais scolarité, t'es un monstre. Discat, pour acheter un PC, tu conseilles quel site ? Un, je te conseille d'aller sur Discord, comme ça tu peux en parler avec les étudiants du campus. Comme ça, ça t'évite d'avoir un seul avis. Moi, je vais te donner un avis, tu vois ce que je veux dire ? Bon, je suis pas sponsorisé, donc l'avis est pas, sera pas trop déconnant, mais l'important, je pense, c'est de se faire plusieurs avis. De pas rester avec une seule personne qui va t'orienter, quoi. C'est important. Pour l'instant, je pense NZXT ou acheter les pièces et le build. NZXT, c'est très bien, mais c'est une marque, du coup. Ok ? Si tu veux acheter un PC, un, fais-le toi-même. Franchement, je pense qu'il y a personne qui pourra te dire le contraire. Voilà, c'est pas dur. Enfin, arrête d'imaginer que c'est dur, c'est simple. Franchement, c'est hyper simple, quoi. Tu prends ton temps, tu prends vraiment une bonne journée, tranquille. C'est hyper intéressant, en plus, de comprendre comment ça marche. Et la plupart du temps, quand t'apprends à comprendre comment ça marche les choses, tu t'évites de te faire niquer par les éléments marketing, quoi. Oh, cette souris à 6000 DPI, ça doit être bien. Ah non, on s'en fout, en fait. Oh, ce PC à 150 gigas de RAM, c'est bien. Non, c'est de la merde, on s'en fout, en fait. Ah, donc faut apprendre à comprendre les choses, je pense. C'est le meilleur moyen de pas se faire niquer par... principalement par le marketing, je vais pas mentir, mais... Déjà un, et après les meilleurs sites internet, franchement... Matériel.net, Top Achat, Cdiscount... Enfin, Matériel.net, Top Achat, à mon avis, les trois que je viens de citer, ça doit être... Je pense en termes de part de marché, ça doit pas être mal. Ils sont assez fat, quoi. Et eux travaillent avec toutes les marques pour le coup. Are they top? Really? Where are they? Ils sont où en fait? Le mec veut pas me parler? Ils sont pas en bas, si. Tu voulais pas casser la cam, toi? Non? Ah si, c'est en bas. Pourquoi j'ai l'impression que c'était pas en bas? Bon, les mecs sont en train de faire un carnage, là. Il va être en face de moi. Ah non, il est là-bas. One tap. Allez, viens. Tu peux venir que là, mec. Allez, reload. Oh, zut! Il y a un mec en face de moi pendant que je suis en train de reload. Ah non. Même pas. Oh, le brain. Oh là là, quel décale. C'est trop furtif. On l'a pas vu venir. Mon dieu, c'est spoil. Merci évidemment, Playboss, pour les 9 mois de frais scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup, vraiment. On va aller là alors du coup. 3-1 match point. Grosse intensité. J'ai pas fait un kill. Ah si, 1-3. J'ai fait quoi comme kill? Ah ouais, le mec de tout à l'heure. Ouais. Les décals, ouais, ils sont trop chauds. Ça va vite, hein. Et faudrait peut-être le mettre en... en 0.25 de vitesse. Ah, ça va trop vite. Ouais, autrement pour les servations Discord, si tu cherches un PC, quoi. Et monte-le toi-même. Après, il y a des trucs genre PC... Chaque truc, maintenant, ils ont leur... Ils vont te dire, tu vois, t'as les trucs genre Top Achat, un truc qui s'appelle Configomatic, Matériel.net a la même chose. Mais c'est Top Achat qui a commencé là-dedans. Il va te dire, il vous faut un machin, il vous faut un truc. Donc tu sais que tu vas pas oublier le... Tu sais que tu vas pas oublier les trucs, quoi. Franchement, c'est pas difficile, quoi. Oui, ça demande un petit peu de travail pour comprendre... attends, la carte mère, là. Du coup, d'accord, ok, c'est pour ce... Ok, c'est quoi un socket? Ok, donc c'était le processeur? Ok. D'accord, donc c'est ma carte mère va déterminer mon processeur. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Je me renseigne sur quel est le meilleur processeur du processeur du moment et derrière, je trouve la carte mère qui va bien, quoi. Derrière, en fonction de mon budget, je prends la RAM qui s'adapte à la fréquence de la carte mère. Voilà, je sais pas, maintenant ça va être du 3006 MHz, comme ça je pense en ce moment.
pas trop, et encore, peut-être plus. Ça fait longtemps que j'ai pas, je me suis pas penché sur le sujet. Merci Simdam pour les 3 mois de scolarité, poulet. Y'a personne dans le main pour mettre une pression, c'est ouf les mecs. Hein. Wow. One in the bathroom, non? In the classroom. Oh, c'est chiant ça, ça n'a aucun sens de faire ça. Kill the guy in Amory? Oh no, he didn't. I think Rook's also in Amory. Yeah, okay. There's not a ball là-dedans. Oh fuck. I have 13 bullets. Allez! You got this. Aim for the head, you got it. Yep, that was the breast. Oh, j'en ai ras le cul. Les deathmatch, quoi. Non. Bientôt 0 balles, j'avoue. J'ai pas envie de droner. La première game, c'est toujours pareil. J'aime bien me chauffer dans la première game. C'est soit ça, soit je fais de la terro ou de la aimlab. Et vu que ça intéresse personne, bon bah. On part en game. Vous êtes des monstres, hein. Depuis tout à l'heure ça me spamme les oreilles. Vous êtes des putains de monstres, sérieux. Merci beaucoup. Battlefield 2042 sortira le 19 novembre. Le 12 novembre en accès anticipé. Hein ? PC 60€. PS4, Xbox One 70€. Ok. Merci Playboss, t'es un monstre. Vraiment. Avantage EA Play. Précharger la bêta ouverte le 5-10. Ah ouais. Et profiter d'un accès anticipé du 6-10 au 7-10. Ah, il y a un accès anticipé pendant la bêta. Et c'est de 10h. Ah, c'est pas ouvert pour tout le monde. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup. Merci, Simdam. Et c'est de 10h à partir du 12 novembre 2021. Et c'est de 10h à partir du 12 novembre 2021. Ça, j'ai pas compris. Récompense mensuelle exclusive aux membres, 10% de remise sur votre précommande. Ok. Alright, alright. Alright, alright. Vas-y, on va faire plus d'un kill là ou pas. J'ai arrêté de tirer 2 secondes. Et on est à 3-2. Il y en a un qui a pris un turn hier ici là. Le pauvre. Tapkan, yeah. Et un bandit aussi, Badiska rouge. Il vient de tuer mon drôle là. Please, il vient pas me piquer. Oh alors, setup, j'ai même pas envie de défendre ce gars là. Laisse-moi au moins 2 kills quoi mec, il est trop fort. Quel monstre. Quel putain de monstre. Pas du tout. Oh.
quoi déjà la deuxième arme de Sledge? Il a perdu son SMG, non? Il a perdu le SMG ou ils lui ont fait un truc sur le SMG? Je sais même plus, putain. Il y a eu un truc comme ça, non? Oui, il a perdu son SMG, ouais, c'est ça. Il a quoi du coup comme arme? Il a juste le P226, là, on dirait. Plus aucun attaquant, là. En SMG 9. Mais pas en SMG 11. Ibana a toujours son SMG, non? Si, là encore, on l'a utilisé hier. Amaru. Ouais, juste le pistolet. Ok, ok. Oh, un petit pack. Eh, il y avait plein de packs que j'ai pas au final. Vas-y, let's go, fais voir. Alright, guys. Quelle est la couleur du pack? Quelle est la couleur de ce pack? Hein? Dites-nous. Dites-nous. Plus aucun l'attaquant, non. Ok, ok. Bonsoir monsieur le proviseur, salut le chat, coucou les modos, salut Weefer. Comment ça va? Quelle est la couleur du pack? Vous pouvez voter avec votre salty money, guys, en haut du chat. Allez-y, faites-vous plaise. Let's go. C'est l'heure du six pack. Je vous ai envoyé des infos sur le site de Battlefield 2042, proviseur. En MP Discord. Ok, ben, je m'en fous. Merci Shelburne. Ah, j'ai regardé ça, attends. Bouge pas le temps que les gens finissent de voter. Tu m'as envoyé ça où? Ok. Ah oui. Édition Gold, accès anticipé à la bêta. Ouais, ça, je l'avais déjà. Le EA Play Pro, faudrait que je le prenne d'ailleurs. Et accès anticipé à la bêta ouverte avec un couteau, un dinosaure et un arrière-plan. Ok. Merci, poulet. Merci beaucoup. Vraiment. Il sort aujourd'hui, BF2042? Non, on aimerait bien. Il sort la bêta est disponible et jouable à partir du 9. Donc tout le monde va en parler à partir du 9. Donc le 9 c'est quoi? C'est jeudi? Le 9? Attends. Non, le 6 pardon, excuse-moi, le 6. Mercredi 6? Jeudi 6? Mercredi 6 je crois. Ouais c'est ça. Du coup la couleur, 3, 2, 1, ça c'est bleu. Vert, excellent. Super. Ah je l'ai pas en duplicate au moins. Ah il est pas si dégueulasse que ça hein. Je l'avais déjà eu sur un pistolet, lui. Je le trouvais trop beau à l'époque. C'est dingue que il y a des trucs qui sont affreux. Ils sont bleu-violet. Et celui-là, il est trop stylé. Moi, j'aime trop celui-là. C'est les têtes de mort qui sont utilisées pour le jour des morts au Mexique. Voilà, c'est tout. Hein. Si vous voulez un petit peu... Donc, je sais pas pourquoi elle a ça. Comment ça s'appelle? Dissociate. Mais c'est pas des têtes de mort normales, quoi. C'est les têtes de mort qui sont utilisées pour célébrer l'équivalent de la Toussaint au Mexique. Voilà quoi. Ou sûrement d'ailleurs pas qu'au Mexique, sûrement dans toute la culture hispanique. Voilà quoi. Le Dia de los Muertos. De los Muertos. Ouais, c'est ça. Exactement. Que j'ai fait et c'est très sympa d'ailleurs. Let's go. Studio. C'est la fête des morts au Mexique. L'Halloween pour nous. Ouais, c'est Halloween. Non, mais l'Halloween pour nous. La Toussaint quoi. Halloween, c'est... voilà, quoi. Bon, après, oui, c'est celte, mais voilà. Je crois que c'est la Toussaint pour nous, en fait. Hein. La fête des morts, chez nous, ça s'appelle la Toussaint, quoi. Je crois. Ah, à moins que ça ait un autre nom, mais il me semble que c'est ça. Sugar Skull. Le Dia de los Muertos. Le fameux test pour daltonien. Exactement. Ouais. Salut Carbone 38, salut tout le monde, comment vous allez bien? Bien? Bien. Bien? Bien. Et du coup, on est 4 jours aujourd'hui, on est vendredi. Ok. Ouais. Bah ouais, j'ai demandé à Mary s'il était dispo. Comme d'hab. Dispo que ce soir. Voilà quoi. Donc, relou le mec. Ah ouais, je crois qu'il est dispo que ce soir. Mary. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit un truc. Mais comme je l'écoute qu'à moitié, parce que c'est inintéressant quand il parle. Donc voilà quoi. Wikipédia, la Toussaint est une fête catholique, oui, où on fête tous les saints du coup. Célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Ouais c'est ça. Oui mais c'est un peu l'équivalent de notre fête des morts quand même. Hein, la fête des morts c'est le 2 novembre, le 1er c'est la Toussaint. Et du coup ça s'appelle comment?
Ça s'appelle comment chez nous? Ça a un nom, le 2 novembre? On n'appelle pas ça la fête des morts? Salut, bien à vous. Comment j'ai hâte de passer pendant PC d'ici un mois? Ah ouais, tu m'étonnes. Il écoute à moitié aussi, ça équilibre aux échanges. Ouais, ouais, mais il comprend à moitié, tu veux dire. Début de week-end avec un petit live. Et effectivement, Zona. Comment ça va ici? Très bien, les amis. Vous êtes déjà en week-end, là? Ouais, 16h30. Ouais. Les fonctionnaires, quoi. Et à l'école. Le jour des morts, selon Google. Ah ouais? Ah, tu vois, comme quoi? Tu vois, je sais même pas. Je considérais la Toussaint, ou parce que quand on disait Halloween pour nous, je considérais que notre jour des morts, c'était la Toussaint, quoi. Voilà, quoi. L'église catholique commémore tous les fidèles défunts, la fête des morts. On a plein d'infos différentes. Bah ouais, ouais, pour moi, la Toussaint, c'est la fête des morts, au final. Même si, effectivement, c'est littéralement la fête de tous les saints, au final. Mais quelque part, est-ce que c'est pas la fête de tous les saints morts? Peut-on avoir été dans la culture catholique saint et vivant? Est-ce que le fait de canoniser quelqu'un... est-ce que c'est pas juste quand t'es décédé? Non? Je crois, hein. Let's go. Le lendemain de la Toussaint, ou fête de tous les saints, soit le 2 novembre. Ah, ok, ok. Eh ben, vous voyez. Eh, on l'avait dit, hein. En plus de ça, les amis, on apprend un truc tous les jours ici. Oh, cool, vilain en attaque. J'adore ce jeu. Merci Kabe, nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi. Merci aussi à Marty et ses 1 an de frais de scolarité, le putain de monstre. Yeah, 1 an, bonjour monsieur le proviseur, et bonne session. Merci infiniment Marty, 2794, pardon, t'es un monstre bleu. Le pape est automatiquement canonisé quand il devient pape. Donc il est en vie. Bon alors ça reste à voir, ils sont quand même bien vieux. Quand ils sont papes, en règle générale... Ils sentent un peu le sapin quand même. Ah ouais. On est plus près de la fin que du début, hein, ça c'est sûr. Non, le pape devient à sa mort. Ah ! Regardez donc la définition de canonisation. En effet, c'est la canonisation posthume qui fait devenir un saint. Ah, je suis un monstre, bordel de merde ! Donc, ok ? Donc, de facto, la Toussaint, c'est la fête des morts, puisque c'est la fête de tous les saints, qui par définition, s'ils sont saints, sont décédés. C'est la fête de tous les saints décédés, donc c'est la fête de tous les prénoms morts, en fait. Enfin, t'as compris, quoi. Merde. Ouais, mais c'est vrai. Après, c'est plus glauque chez nous, quoi, tu vois. Le Dia de los Muertos ou Halloween, c'est quand même plus cool, quoi. Tiens. Nous, c'est... Ah, je sais pas, chez vous. La campagne, c'est « Ouais, on va voir mamie. » Ouais, bah, elle a pas bougé, hein. Ah non, ça, c'est sûr. Elle est toujours au même endroit, hein. Ok. La différence, c'est que chez nous, c'est pas festif. Donc, pas de fête des morts. Ouais, c'est ce que je viens de dire, Matt Jack. Arrête de répéter tout ce que je dis ou pas? Tu vas arrêter, oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le pape est pour le PSG. Ah bah. Raison de plus pour être raté. Hein. Et bam! 2 dramas en une seule phrase. Drone has located a bomb. Ah, dis donc, ils ont pris ce bomb site. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout. Allez, j'ai envie d'attaquer plein front parce que vu comment ça renforce déjà 0 là... Hop là! Proceed to bomb location and defuse it. J'ai vraiment l'impression d'être sur Dying Light à chaque fois que j'entends ça quand même.
moi qui l'ai cassé là. Ah je crois pas. Ah ouais, le piano, mais... Qu'est-ce qu'il fait un trou là? Montre-toi, petit enfoiré! Il le fait à la main? Ah putain! Ça, je me fais bait depuis tout à l'heure sur un bruit de merde. Putain. Aïe aïe aïe, je te jure. Je ne supporte pas cette map, donc je vais y aller comme un gros pimpin. Drop the diffuser. Okay, so. Down to one friendly. Merci de m'indiquer qu'il n'y a personne 90. Ah si. What? 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 Ok, je vais faire 6 heures de Imlab. Je crois que c'est mon plus gros fail de 2021. Franchement. Je crois que c'est mon plus gros fail de 2021. Je l'ai vraiment, 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 vraiment sucks. Eh ben, ça s'annonce bien, cette petite map, hein. Franchement. Villa en attaque. Bien joué, les mecs, d'avoir choisi Villa en attaque quand vous savez pas attaquer. Voilà quoi. Les mecs, ils se voient qu'ils sont en attaque. Enfin, tu prends pas Villa si t'es nul. Il faut un minimum de cohésion et il faut de l'anti-roaming déjà, tu vois. Et les gens ils savent prendre, anti-roaming. Donc on va essayer de le faire. Cette fois-ci. Ah ouais, ça prend Finca, Amaru, Twitch. Yes. Twitch Jackal et le dernier, Sledge. C'est go. Meditagol, non? What? Vigil? Vigil. Ouais, ça va être ça. Je me disais, qu'est-ce qui peut ressembler à Tagon? Vigil. Peut-être. Non, c'est pas ça. 10 seconds to go. Zéro comp. Ouais, ouais. Insertion in 5 seconds. Insertion in 5 seconds. Et je suis pas au bon endroit. Non, si. Il y a rien là, ils vont pas piquer. Parce que c'est des plots, je le pense. Pipip. Vas-y. Can you take the diffuse, please? Au moins que tu fasses un truc intéressant, quoi, mec. The diffuser is now secured. The bomb has been located. I'm getting down la cheminée. Non, fais pas ça. Vigile l'ennemi. Be careful, red stairs. Il va remonter. Oh yeah, he's under. C'est ça d'avoir un casque. Can you drone 90, bro? Il vient de trouver la touche. Bravo. Ok, pushing with you. Il push sur site là. Ah oui, main stairs. Oh là là, y a aucune cohésion. Ok. I think he's under. Oh, maybe not actually. Non. Astro. Astro rotate. Yeah.
In front of you, Sledge, now. Yep. Ah, il est parti toilette, quoi. S'il est pas là, on a compris. Oh, il est dans les toilettes. À chaque fois, je vois le Little Bird, là. Même la map du dessus avec le Little Bird. À chaque fois, je pense à BF, quoi. Je rêve de BF la nuit, j'en peux plus d'attendre. On va jouer quoi? Tiens, Yana. J'ai 36, Yana. Ça joue, j'ai 36 ou pas trop au final? We need to locate a bomb. Tranquille en fin de week-end. Ah. Thanks God it's Friday. Be advised, your drone has located a bomb. J'ai 36 points inclinés, ça passe. Je sais pas que le premier gère. Oh non, ils sont là. Fontaine. J'ai... Quoi? Mais non. Oh, tu vois, je peux même pas tirer dans une caméra avec ce truc là. Comment veux-tu faire des kills avec ce truc? J'ai l'impression qu'ils ont inventé ce viseur pour se dire... Bon alors, on va faire un viseur que personne ne va prendre, au moins... Ah mais oui, le Buxon avec Yana G36, quoi, putain... Regardez bien... Tada! Personne. Drone actif! Vas-y, prenez le top là, vous avez raison. Hop là, tu sais pas viser... Pipu, 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 pipu. Bim. Hop, il vient regarder. Kobe. Mattelou. Vas-y, mais... J'ai pas envie de jouer sérieux. J'en peux plus. The bug et tout là. What, c'est quoi ce charme? Ah, it's a fake. Yep. Yep. C'est quoi ce charme qu'il a le mec là? C'est quoi cette espèce d'énorme... c'est un truc pour la Thanksgiving? Oh, je suis sûr, le mec est derrière eux, ils vont mourir. Allez, push avec ton pote. Push avec ton pote, fais la revenge. Make the revenge, bro. Nice. Pff, je dis ça, j'ai vu une... T'es une dinde, c'est pour Thanksgiving avec le drapeau américain, j'imagine. Oh non, le pire viseur, ouais, grave. Ah oui, merde, on est en défense. C'est ouf, hein, cette map, je ne la supporte pas. Je la déteste. Elle est moche en plus, quoi. Vraiment. Elle est moche, c'est terne, c'est tout marron, quoi. J'aime pas. J'espère ne pas être déçu par la bêta de BF. Ouais, bah j'espère non plus, poulet. Hein. Franchement, ça fait trop longtemps que j'attends un nouveau jeu, là, j'en peux plus, moi. Merci Overa Gamer d'avoir fait la possibilité à Hachi ses droits de scolarité. T'es un monstre, poulet, vraiment. Putain, tout ce que t'as donné. Là. Insane, les mecs. Overa Gamer, éclair au tube. Tu
beau chocolat. Chocolat tubine. Merci Eisenberg Walter, Walter Blanc. Merci, nouvel étudiant du campus. Un monstre poulet. Merci beaucoup, bravo. Vous êtes des putains de stromons. Eh ouais, ouais, moi aussi, BF, poulet. Tout le monde en fait, hein. Enfin, beaucoup de gens, je pense. Ils ont changé les trucs ici pour tranquille un peu ou pas, hein. C'est le Colin One a acquis, toi. Là, non? God damn it, man. Yana Doka. Op 4 has located a bomb. Dis-moi que tu pars plutôt à gauche. Come on, le timing qu'il a au niveau de son reload, lui. Main stairs one picking me. Voilà, c'est que de la merde. Toutes mes rotas sont nulles. Ça peut pas être ça sur cette map. Absolument. Viens me chercher Yana, t'as envie, on visiblement. Je crois qu'on t'entend pas derrière moi. Elle est librairie, non? Vigil, it's all happening upstairs. Yeah, but there is one near close to me. Okay. Un coton-tige pour le petit truc qu'elle a fait. Bon, c'est pas ça qui me fait rater le kill, mais je sais pas si vous avez vu. Elle a fait comme hier. J'avais dit hier, je le ferai. Ah, ouais, d'accord, ok. On y fait ailleurs. Non, pas, j'arrive. I'm back. Alright. Fallait juste que je passe un coup de coton-tige. J'ai dit avant-hier, ça l'a fait. Je l'ai dit hier, ça l'a fait. Et là, ça vient de le refaire légèrement. Ça verra. Ok. Ok. Oui, pourquoi pas. Eh ouais, faut passer un coup sur le capteur parfois. Et là, c'est 3 mecs de mon équipe. 10 seconds to insertion. Jammer ready. Et elle est lavée tous les 2 jours. 5 seconds.
C'est même pas de la saleté, c'est du. C'est des morceaux de. C'est le tissu du tapis en fait. Bien noir. Ouais. Et ça, dès que ta souris elle fait. T'es en train d'avancer, tu fais ça et elle fait comme ça là. Pourquoi j'ai ce personnage là? À ma gauche. Yeah, you can go. Faire un free kill en plus. Oh, pourquoi il a bougé? Le drone l'avait même pas vu. LOL. Le drone l'avait même pas vu, il m'avait chopé moi, tu sais, il pouvait faire un kill sur ma revenge. Did the drone see you, Melusi? Non, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Après la brique sur le G36, la mire Cavera. Ouais, la mire Cavera. Ouais, j'avoue, je la joue jamais. She's to the right of the door. Ça fait vraiment pas partie des persos que j'aime jouer. Je crois que j'ai dû faire 5 interrogations dans toute ma life. Et merci évidemment au VaraGamer d'avoir offert la possibilité à Chips au sucre de payer ses droits de scolarité. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes des putains de monstres, les amis. Op 4, last operator standing. Friendly is victorious. Well done. Hostiles eliminated. Amazing. GG. Ah bah alors, pas sur New World comme les autres? Voilà quoi. Honnêtement, je me serais bien mis à Donf dans un nouveau jeu, tu vois. Mais bon, MMORPG... C'est hyper chronophage quoi, et puis il faut faire un truc en squad et tout. Je sais pas, hein, j'ai pas joué à la bêta, donc du coup j'ai un peu raté le train de la hype par rapport à ça. Voilà quoi, non j'attends vraiment Back 4 Blood BF, ça fait 2 ans que j'en parle. Vraiment quoi, et Dying Light, on l'a vu hier aussi. Pire map pour moi c'est Villa Littoral et Sky. Enfin moi c'est Villa. Villa pour moi, ouais, c'est celle que je sais pas. Après, ça doit être psychologique, hein, franchement. Hein, si je me concentrais un peu, ça irait, mais je sais pas. J'aime pas la jouer, je la trouve dégueulasse. J'aime pas. J'ai l'impression que c'est que des couloirs. Voilà quoi. On t'a vu. Il a tout donné le mec. Il a tout donné pour s'en tirer lui. Merci infiniment Caliboum, nouvel étudiant du campus. Un putain de monstre poulet, merci beaucoup vraiment. Vous êtes des monstres, sachez-le les amis. Des putains de monstres. Tu m'as préféré Villa mais personne ne l'aime. Non mais je peux comprendre aussi pourquoi certaines personnes l'aiment. En compétitif elle est assez cool à jouer, elle est assez intéressante. Mais là... C'est vraiment de la merde. Regarde, en plus les mecs ne me mettent pas un wall quoi, on a rien. Du coup ça me donne envie d'être vachement agressif, mais être agressif sur Villa c'est... C'est pas ouf quoi.
Maybe one in the main stairs or Yana somewhere under. I'm watching main stairs. In library, in kitchen. La grenade, vas-y, envoie-la. Hallucinant. Yeah, I don't know if you can tell more. Merci mon poulet, merci Jay-Z. Loul, le vrai, un monstre poulet. Merci pour les 10 euros de don. Merci Ditsy. Un casque multiplateforme. Oh, j'en ai aucune idée, poulet. Vraiment, tout le monde parle, tout le monde dit du bien de Astro. J'ai jamais testé. J'ai jamais regardé ce que ça pouvait donner, etc. Quoi. Le truc, c'est déjà, la plupart du temps, regarde le site versus.com. Ok ? Versus.com. Après, peut-être qu'ils sont payés en loose day. J'en ai aucune idée pour le coup. Mais le site versus.com, ça te permet de comparer justement. Donc tu te renseignes sur un casque, tu regardes, machin, et puis après tu regardes versus.com, quoi. Et tu les compares, du coup. Ils vont te parler du diamètre du, je sais plus comment ça s'appelle, le diaphragme à l'intérieur, là. Les trucs comme ça, est-ce que ça fait 7 points, 5 points, est-ce qu'il y a un fantôme, comment on appelle ça, le boost, là. Ah, les mecs, ils savent pas jouer, c'est où. Merci infiniment, Friction, pour les 5 mois de pré-scolarité. Mais vraiment, moi, c'est le site que j'utilise souvent pour comparer, justement. Pour comparer les différents trucs, quoi, parce qu'il n'y a pas que du casque, hein, au contraire, ça fait pas mal de trucs techniques. Donc voilà. Activated a device. Can someone go 90 now? Oh là là, ce jeu, je te jure, le pick advantage. Puis sans drone en plus, hein. Ouais, d'accord, ok. Ça se passe bien sur le stream ou quoi? Comment ça se passe? T'es abonné au moins? Merci Friction pour les 5 mois, poulet. En mode il est là, il bouge pas. Les gens, les composants sont en rabais vers quand? Genre Black Friday, Noël, Cyber Monday. Ah, le Black Friday, c'est quand? C'est fin novembre, il me semble.
à mon avis, tu dois avoir des bonnes promos, quoi. Après, tout, en ce moment, depuis 2-3 ans, c'est vachement impacté par... Ah, le marché est vachement fluctuant, quoi. De temps en temps, tu vas avoir de la RAM vachement pas chère, donc tout ce qui va être périphérique de stockage, genre en ce moment, c'est la RAM et les SSD, ça coûte rien, quoi. Et les cartes graphiques, en revanche, c'est introuvable, enfin, voilà, quoi, ça dépend des... ça dépend. En revanche, ils ont annoncé les 4080 Nvidia, donc ça fera baisser le prix des cartes graphiques, mais bon, c'est pareil. Ah la vache, le mec est sur ressort, quoi. Le temps que ça sorte, ça se trouve ce sera l'année prochaine, j'en ai aucune idée quand est-ce qu'ils vont le sortir. Et puis si ça fait la même merde qu'on a depuis un an, c'est-à-dire les mecs annoncent des nouveaux produits mais ils sont pas disponibles. On a 20 fois plus, 20 fois plus, 20 fois plus puissante que la 3080. Où est-ce qu'on peut la choper? En plus elle est pas chère. Ah bon putain. Où est-ce qu'on peut la choper? Eh ben, elle va nulle part. Ah ouais. Ok. Mais 50 fois moins dispo, c'est ça, hein? Pour ta décale, si t'es en toggle ou en hold? Je suis en hold, moi. Parce que j'essaie de m'entraîner à faire des décales, mais je sais pas ce que c'est le mieux. Toggle, c'est le mieux. Moi, je suis en hold. La plupart des pros sont en toggle. Moi, ça me dérange pas, hein. Je peux faire des décales en mode comme ça, en étant incliné, ça me dérange pas, honnêtement. Mais ça a été une gymnastique, hein, vraiment. Parfois, je passais 6h, 10h par jour à faire que des décales sur des maps vides. Parce que j'y arrivais pas, quoi. Très compliqué au début, hein. Beaucoup de boutons sur un système. Oh, il y a une vidéo qui vient de sortir, les amis. On est d'accord? Allez, la liker, la commenter, la partager, s'il vous plaît. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça aide les monteurs du campus de la Soldier Academy. Un like, un commentaire, un partage, vous revenez ici, vous nous dites que vous l'avez fait. Et là, vous avez fait votre bonne action de la journée. Et vous pouvez vous sentir fier parce que vous nous avez vraiment aidés. Non, genre vraiment. Like main stairs hallway, but be 90 50 down main stairs, not sure. Parce que je suis en train de faire, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, le move. En même temps, c'est horrible, hein, le bruit de son car. Hein. Check my drone, please. Check my drone. Yeah, leave, huh? There's a shield on the doorway. They're behind a bar. At least one behind a bar. Remaining. Either vault or behind a bar. Bar. Push to the other side. You have the fuse there. You can go up plant. Or just kill him. Four eliminated. Ah, tu vois ce que tu peux faire autrement quand tu cherches un casque, c'est tu le PV là. Le smoke, tu le PV. Et tu lui demandes, t'as quoi comme casque? Et il va te répondre, et du coup tu vas faire « Ah ok, merci !» Et tu peux le rayer celui-là. Celui-là, tu l'enlèves. Celui-là, il marche pas, ok. Celui-là, t'en es sûr. Voilà quoi. C'est aussi une possibilité. Hein. Tu fais une liste de tous les casques possibles, et après tu les élimines au fur et à mesure. Tu regardes les joueurs pro jouer avec, tu te dis « Oh putain, lui, il l'a pas entendu là ?» Ok, il a quoi comme casque? Ouais. Méthode en carte graphique, je sais pas quelle marque pour la 3060 Ti. Jeu à New York, à New World, pardon, VGA, c'est pas mal. J'ai jamais marqué ce qu'il y avait, non. Là, on est en Italie, mais ils avaient no respect pour l'Italie à l'époque.
Polynésie. Ouais, clairement, quoi. C'est toutes les îles, là. Ok. Oh my god, it returned. Mec, on sait que t'es pas sur le site, donc arrête de nous faire genre, là. Pip, pip, pip. T'as rien, ton lion, là. Les gens qui balancent un lion pour rien. Ah, en revanche, il est peut-être là. Yo, they're in 90 and they're about some bar doors. Astro dead. They're in 90 and bar door. Trophy window or deer window. J'en peux plus, tu sais, tu veux. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre. Altef, Altef. Altef. 1 ou 4. Tu vas faire du Dying Light après 6? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, c'est pas prévu. Non, Dying Light, je vais pas y jouer. Je pense pas. On jouera aux deux quand il sortira, quoi. Voilà. Donc, ça, ouais, y a encore le temps. C'est début février, normalement. S'il le repousse pas. S'il le repousse pas, hein, tranquille. Voilà, quoi. Et n'oubliez pas, les Campus Cup, c'est demain. Voilà. Mais les inscriptions sont fermées. Mais vous pouvez aller sur point.exclamation Discord ou point.exclamation CC. Right, si vous voulez regarder les matchs qu'il y aura. Parce qu'il y aura, il y aura les streamers, on mettra le nom des personnes qui stream. Ça met en avant les petits streamers, c'est très cool. Tranquille, c'est des bonnes cartes, les 2000 sous-cotés à cause des 3000, mais TKT. Ouais, une petite 20-80, c'est propre, hein, franchement. Franchement, attends, les séries 20, c'était quand même des putains de cartes. Hein. D'accord. C'est fini, enfin, putain, 5-4 sur cette map pourrie, quoi, dernier round. God damn it, quoi, quelle map horrible à jouer, sérieux. Quelle map horrible. Merci Friction pour les 5 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Saltier Academy. Merci infiniment, poulet. Merci beaucoup, ça me touche énormément, vraiment. Alright. Du coup, on va continuer. Comme je vous avais dit, de toute façon, je couperai vers 18h30, 19h aujourd'hui le campus. Donc, c'est vraiment chill day. Chill day. Difficile d'être chill sur ce jeu, mais chill quand même. Ok. Ouais, on va continuer tranquille. Rip la Salty Money. Ah, désolé. Désolé, les amis. Ouais, ouais, ouais. Et attends, et donc du coup, la bêta, elle sera open que sur PC, j'imagine, non? La bêta de BF. Je pense qu'elle sera que sur PC, au final. À plus tard, Blue Diamond. À plus tard, poulet. C'est à l'intro, 6. Alright. Je pense que c'est uniquement sur PC la bêta. On fait comme ça, je vais me faire que du reflame. Ah ouais, carrément. Ok. Non, PS4, PS5. Pour la bêta aussi? Non, pour l'open bêta là? Du 6 au 9? Ah ouais? Et Xbox? Non, pas du tout. Ce sera juste sur PS et PC? Xbox aussi. Ah, ok. Alright. Interesting. God damn it. Ok. Vas-y, enfin des vraies maps, là.
Bah ban Oregon. Non, ban Chalet parce qu'ils veulent ban consulat. On va mettre ça. Ouais, je peux pas faire grand chose. Hein. Eh ben une autre Oregon. Ah oui. Ok. On est en défense. Oh nice. Vous êtes allés tous voir la vidéo? Vous êtes tous allés voir la vidéo? Vous avez tous liké, commenté, partagé les petits poulets? Ce serait très généreux de votre part. Soit pour l'exclamation YT, soit le lien qu'on va vous envoyer dans le chat. Ce serait vraiment très cool. Alright? Vraiment. Ça nous aiderait énormément. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonne-toi. Non, pas comme ça. Mais merci. Merci Six Meliodias. Merci pour les 4 mois de frais de scolarité, poulet. T'es un monstre. Vraiment. Vous êtes des putains de monstres, les amis. C'est chill day aujourd'hui. Chill day. Chillin. Ban Mira. Ok. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le Ban Mira? Voilà la vidéo. Vous êtes tous allés la liker, la commenter, la partager. Le truc s'appelle la fin de Fortnite. Vous allez comprendre pourquoi. En plus, il y a eu le monteur a vraiment bien travaillé. OJ. Eh ben, grosse compo. En bonus, on voit tes yep. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a mes pieds dans cette vidéo. Pour le coup, Fortnite est vraiment dead. Ah ouais? Ah ouais. Protect the bombs. Très bonne vidéo. Merci, Shirazu. J'ai commenté comme demandé dans la vidéo. Merci Chi, mais c'est parfait. Ça aide l'algorithme. T'aurais pu passer ta tête là-bas, toi. Oula. Et là alors? Non. Amaru is already in armory, I think. What? Amaru is already in the armory. Ah, okay. Can I help you, Alchemist? A toxic bag. Yeah, nice. She dead. I hear someone around here. I have case down on pas une Thunderbird là? Cause I'm Thunderbird! Merde, j'ai envie de faire des trucs un peu marrants, mais on se fait chier! Ayant joué depuis la saison 2, c'est vraiment parti loin. Attends, de quoi vous parlez? À Fortnite? Ah ouais? Vraiment parti loin. Ouais, je sais pas ce qu'on pourrait se faire à part un 6. Là. Je suis pas vraiment... J'ai pas trop envie de jouer. On y a joué toute la semaine. On pourrait terminer Kena. Ça vous intéresserait qu'on ait terminé Kena? I'm dry.
Pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. FIFA, Kena est bien. Hein. Yo aussi, salut Twitter, Yayou. Comment ça va? Un sergent de scie? Non. Fais plus Tarkov 6? Non. Doudou82, va sur Twitch, va sur Parcourir, va, dis-moi quel est le plus gros streamer français à l'heure actuelle sur Tarkov et combien de viewers il a. Dis-moi. Dark Soul 6-4. On va voir ensemble. On va sur Tarkov ou pas. Zero Hour? Ouais, mais en solo, c'est relou, Zero Hour. Dark Soul? Ouais, non, y'a personne en ce moment dessus. Apprends à jouer à RL? Pff, RL, quoi. Ah, c'est jamais un RL, hein, mais... C'est pareil. Autant rester sur R6. Kena? Ok. Kena, c'est vraiment pour se faire plaisir, quoi. Ah ouais d'accord, ok, on en est là. Eh ben écoute, on va faire ça. Je sais que Tarkov est mort pour les streamers, mais juste en vidéo game ou pas? Donc si Tarkov est mort pour les streamers, est-ce que j'ai l'envie de game? Bah, bien sûr, ouais. Mais j'ai autant envie de game sur ça que de me refaire tous les Final Fantasy, poulet. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu seras là si je fais tous les Final Fantasy? La réponse elle est non, on le sait. Vous pouvez pas demander à un streamer d'être professionnel et de pas parler nombre. C'est notre taf. Vous avez voulu maintenant tout savoir sur la vie d'un streamer, etc. Poser des questions sur le pourquoi, le pour, le comment, le machin, le truc, le bidule. Très bien. Par les chiffres alors. Why did someone ping 90? Oh, they're breaking hatch. No, they're not. Final Fantasy X, c'est incroyable. Ah ouais, clairement. Oh, okay. Yeah, for Bonna. Oh man, I'm stupid. They milked your hatchy poo. They have a fucking duplicator bitch. Yeah. Miniana? That's the one. You got there. Hop là, je passe dans tes balles. T'as pas ouvert la trappe, on est d'accord? Non, parfait. Hop 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 hop. Twitch drop down. Ah ouais. You know what to do. One pushing blue also. Oh là là, les mecs, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. T'as zéro défense, les amis. Perso, je suis chaud pour tous les FF. Ah ouais? Ok, bah c'est parti. Je vais tous les faire. À partir de la semaine prochaine, tu dois être là 100% des streams. C'est si incroyable que ça. FF, typiquement, le genre de jeu que j'aime pas. Ah ouais, je comprends. Mais bon, c'était juste donner un exemple, en fait. C'est juste donner un exemple. C'est toujours pas. Non !
C'est boulot. Salut Skyrix, merci pour les 29 mois de frais de scolarité, ça va très bien poulet. On est en mode chill, tranquille, parce que c'est un petit stream aujourd'hui. On a fait du R6 quasiment toute la semaine, donc tranquille quoi. Là ça commence à... Il a trop de R6, tu le R6. Et voilà. Mais ça va, tranquille. On est en mode chill. Donc pour finir, du R6. Ah, j'ai pas le choix. Je sais que je dis. Are you not entertained? Il faut ce qu'il faut pour aller tous au top, non? C'est la troisième fois que tu viens me chercher, zéro drone. Mais je sais où t'es. Et c'est... J'y vais. Ok. Bon, t'es chiant toi, mec. T'as un filtre? Non, pourquoi? Et, les couleurs vous semblent à côté de la plaque? Console switch confirmed. Bah, y'a rien sur console. Hein. Y'a pas beaucoup à mon avis de streamers sur console. Ah, et c'est la troisième fois qu'on voit un Lésion faire un triple kill quoi aujourd'hui. Oh là. C'est diffuser down by the way. Freezer, yeah. Il a l'air jaune ton jeu. Ah bon? Non. Non, je crois pas. Attends, on va regarder. El gato. Le chat. Où est-ce que c'est? Ouais, bah ouais, il y a un petit filtre. Il y a un petit filtre. Il y a un petit filtre pour booster un peu l'image. Ouais. Non, il est pas jaune. C'est Oregon, ça s'appelle, je pense. Op 4 eliminated. Mission successful. Fucking monkey. Ouais, il est juste en bas des main stairs, ça va? On va prendre ça, tiens. Let's go. Merci infiniment au des câbles. Merci poulet. Merci Cable. Nouvel étudiant du campus, bienvenue mon poulet. Vous êtes des monstres.
10 seconds. Merci infiniment César pour les 8 mois de frais de scolarité. Vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Ah bah c'est bon, 8 mois, on devient son pote. Merci les poulets, vous êtes des monstres, vraiment. Vraiment. Ça me touche énormément. Oh, j'ai 0 kill. Ok. Ah, j'ai même pas envie d'en avoir, de toute façon, des kills, vu ce que je fais. Je vois bien. J'ai envie de me balader. Ça va être un peu, non? You located a bomb. Raggy. Pip. Knock knock. J'y crois pas, je n'y crois pas, ce décal là. J'y crois pas de venir me chercher là. Sur une ligne cassée, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, alchimiste. En parlant de ça, j'ai demandé sur Twitter s'il y avait des gens qui pensaient de, qui... Ah ouais, on s'en fout du headshot qu'il a pris. Comment dire? J'ai entendu parler d'une compète ce week-end. Ouais, ça se passe sur Discord, poulet. Prenez ça à son Discord. Ça, c'est la première compète. Après, il y en aura une très grosse qui arrivera dans 2 semaines sur R6 et à la fin du mois, les Salty Duels. Et après, sûrement le Youngtis Royal. Donc, il y aura quand même du R6 tout au long du mois. Mais avec beaucoup de Battlefield et beaucoup de Back 4 Blood. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain même. Salut Doko, salut tout le monde. Comment ça, salle d'attente pour Battlefield? Parce qu'on attend tous Battlefield, poulet. Un peu. Beaucoup quand même. Have a rise in your garage. What's up? 5 seconds. Have a ride in the garage. I mean, she was there. She went upstairs. Okay. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Non, je voulais le cut. L'homme qui ne prend jamais ses balles, je voulais le cut.
J'espère que pour toi que les hélicos sont toujours aussi cool dans BF. Imagine, franchement, s'ils ont foiré les hélicos ou alors s'ils se commandent pas du tout comme, comme BF4, quoi, je serais dégoûté. Dégoûté. D'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça mettrait tout le monde à niveau. Au final, je serais peut-être pas si dégoûté de ça parce que autrement, ils vont l'avoir, ils vont arriver avec, avec 100 000 heures de Little Bird sur BF3. Mais je pense que ce sera le même gameplay. Je pense que ce sera vraiment le même gameplay pour le coup. La chaîne YouTube s'appelle 6-4 maintenant ou j'ai raté un truc 6-4? Je sais pas, c'est une question rhétorique? Non? Tu connais la réponse à la question que tu es en train de poser, on est d'accord? C'est rond, non? Si c'est rond. Non? Ça fait un moment quand même, ouais, qu'elle est un peu, qu'elle s'appelle 6-4. J'ai juste, s'il y a un truc qui a changé, tu t'es dit tiens, quelque chose qui a changé, c'est la photo de profil. J'ai mis la photo de profil que j'ai derrière sur, sur R6. Non, c'est pour tout le monde Shadow. MDR, ah oui, j'espère que ce jeu va me sortir de cette spirale négative de Rainbow Six. Ouais, bah, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Même ceux qui font semblant de pas le dire. Il y a zéro personne à l'heure actuelle qu'on a pas ras-le-bol. Et voilà, quoi. Sauf ceux qui sont pas... Sauf en e-sport, au final, où tu t'amuses pas trop mal, quoi. C'est de la custom et c'est plus cool. Tu pilotes avec joystick ou clavier souris les hélicos? Clavier souris poulet, j'ai même fait une vidéo sur YouTube pour laisser passer YT. Bon, je vais pas faire de kill. C'est mon objectif. Faire que de la merde et ne pas faire un kill. D'y aller qu'en face check. Oh là 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 là. Pourquoi ça m'a switché de... Ok. Objectif is good. Yo, c'est quand 2042? C'est la semaine prochaine, poulet. Il y aura des vidéos qui sortiront sur YouTube à partir du 6, normalement. 6 au matin. Ok? Donc on sortira, je pense, une vidéo très tôt le 6 au matin. Vous pourrez regarder. Clairement. Et n'oubliez pas, il y a une vidéo qui vient de sortir, elle s'appelle la fin de Fortnite, regardez-la. C'était sur le truc OP, vraiment c'était vraiment cool. Blood Hunt là, vraiment très très bon jeu, hein, vraiment. Merci Kix pour les 2 mois de frais scolarité, t'es un monstre poulet, vous êtes des putains de monstres, sachez-le. Bon, c'est vraiment relou en revanche. Eh, déjà bu, voilà. Et t'as liké, t'as commenté, t'as partagé poulet? Ou pas? C'est ça le truc. Et là t'es un monstre, et là tu peux dire, j'ai fait ma bonne action de la journée. J'ai aidé le campus à aller to the fucking top. Et ça, c'est beau. La bêta de BF2042, elle sera ouverte? Ouais, elle est ouverte. Ouais, carrément. Elle est ouverte. Tout à l'heure, on a vu, du coup. Elle est ouverte... Elle est ouverte entre le 6 et 7 en early pour les personnes qui doivent avoir les gâchons. Voilà, quoi. Et après, du 7 au 9, elle est ouverte pour tout le monde, il me semble. En revanche, elle est peut-être sur Xbox, les gens ont parlé de la Xbox ou pas, hein? Tout à l'heure, ça parlait de la PS, mais la Xbox. Je sais pas s'il y a sur Xbox.
Freezer. À 80 euros quand même sur les dernières consoles là. 80 euros c'est rush, 80 euros non. Freezer. Ah no offense. Pushing you right now. Ouais d'ailleurs tout passé par les conférences Xbox et le 3 donc partenariat. Ok. C'est fini. Oh finally. Pretty good. What's up? Alors attends deux secondes parce que ça faut vraiment que je le règle parce que je sais pas ce qu'ils ont fait Ubi là. On peut plus couper le son. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais Rainbow Six du coup passe sur je sais pas quoi. Trop relou quoi. Une fois de plus. Et le son du jeu est délocalisé du son vocal du jeu en fait. Donc quand je coupe le son du jeu, ça me coupe pas le vocal des mecs. C'est relou ça. Merci évidemment Metal Blind, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus de la SA Poulet. T'es un monstre, vraiment. Vous êtes des putains de monstres, sachez-le. Alright. Salut Six, comment ça va? Ça va Crunch? Et vous? Le seul défaut de la Xbox, c'est les exclus, je suis pas fan. Ah ouais? Y'a quoi? En termes d'exclus, la PlayStation, c'est mieux que la Xbox, non? Sans lancer un débat. Y'a l'EA Play dans le Game Pass. Sûrement des avantages compris avec Game Pass pour Battlefield 2042. Avec les 10 heures, les 10 heures, je pense. Ah oui, oui, oui. Ok, attends. Le truc des 10 heures, là, c'est quoi? C'est qu'en gros... J'ai pas compris, ça. Genre, en gros, les personnes vont être limitées en temps sur leur accès à la bêta? Moi, je trouve les exclus PS mieux que Xbox. Ouais, souvent, ouais. Mais bon, la plupart du temps, quand on parle exclusivité, après, moi, je suis pas du tout un joueur console, j'ai arrêté depuis la P2, quoi. Mais quand on me parle exclusivité, c'est vrai que je, tout de suite, dans ma tête, je pense PlayStation, au final. Je pense rarement Xbox, quoi. La Xbox, je pense, c'est adapté par rapport à la PlayStation, par rapport à ça, quoi. Ouais, PlayStation a de grosses exclus. Ouais, carrément. En général, avec l'EA Play, tu peux tester les jeux 10 heures avant la sortie. Ah, d'accord, ok. Attends, c'est quoi la différence EA Play et Play Pro, là? Il y a un truc qui s'appelle EA Play Pro sur lequel j'ai été invité ce matin, là. Il y a Pro dedans. Est-ce que c'est parce que je suis streamer? Non, si. C'est pas le nom de leur... leur truc, là? C'est pas justement le nom de leur abonnement? Honnêtement, entre le Game Pass et le PS Now, je préfère le Game Pass. Ok. Streamer Advantage. Ah, ok, ok. Ok. Bah, le Game Pass, par exemple, il y a Back 4 Blood dessus. Donc j'hésitais à le prendre quoi. Pour le moment j'ai aucun truc comme ça, honnêtement. Xbox, les exclus, c'est Forza, Gears, Fable et tous les jeux Bethesda, Skyrim, Doom. Ouais quand même. Forza c'est quand même insane hein. Gears c'est vraiment, c'était très très bien quand même. C'est vraiment un super jeu quand même. Enfin c'est cool quoi. Voilà, en coop et tout ça se fait bien quoi. Fable on m'en a toujours dit que du bien mais j'y ai jamais joué. Et tous les jeux Bethesda. Ah, attends, et Bethesda, ils vont pas, c'est pas eux qui sortent le remake de... pas le remake, le 2 du coup. Comment il s'appelle Privet, là, Privet. Merde, comment il s'appelle déjà Tchernobyl, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Pas encore sur les Bethesda, rien de confirmé. Ok, ok, ok. Le EA Play Pro permet d'avoir les jeux en édition Ultimate. C'est 100 euros par an. Ah, en fait, la vérité, c'est que IM m'en a donné un. Et du coup, je savais pas ce que c'était. Merci, Electronic Arts. On prend. Ils ont été rachetés par Xbox, Starfield, etc. Ok. Mais vu que Microsoft a racheté, c'est possible, oui. Barcode gonna carry us, hell yeah. No. I can't shoot today. Les exclus PlayStation sont principalement des jeux solo et histoire. Uncharted, Beyond Two Souls, Heavy Rain. Ouais, ouais, ouais. The Last of Us aussi, non? The Last of Us, c'est une exclus PlayStation, non? On va sortir la vidéo le plus tôt possible à 6 pour être bien référencé. Un mélange de rapidité pour sortir la vidéo, mais avec une bonne qualité. La bataille va être rude dans le YouTube game. Bonne chance pour que la force soit avec toi. T'as raison, Nawak. Eh, Nawak, on va le... Eh, Nawak, c'est bon, on vient de te recruter. Tu viens de passer responsable SEO et YouTube. Bienvenue sur le campus de la Salty Academy.
Ouais, on sait. La vidéo, elle est prévue pour 9h01. T'inquiète. Hein. Donc, ouais. 9h01, le 6. À 8h59, personne ne parlera de YouTube, de BF. À 9h01, sur YouTube, il n'y aura que du BF. Que du BF. Ce sera hallucinant. Je le sens, ça va être comme ça. Donc ouais. Si vous voyez une vidéo de la Salty Academy sur BF, franchement, vous pouvez liker, commenter, partager. Derrière, vous pouvez vous braguer. Vous pouvez venir me voir sur Twitter et vous pouvez venir me dire « Je l'ai fait ». Et franchement, je vous répondrai individuellement « Merci ». Ah, c'est hyper important pour nous. C'est vraiment hyper important. Vraiment, vraiment hyper important. Tchernobyl, c'est THQ Nordique. Ah ouais, merci à l'État. Ah, je pensais que c'était Bethesda Game. Bon, on va faire des kills cette fois-ci. C'est ma map, j'ai pas le droit de ne pas me concentrer quand même. Toutes les étoiles sont alignées pour BF, ils ont pas intérêt à se planter. Ah, mais t'imagines la pression, sérieux? Vous imaginez la pression de ouf qu'on leur met? N'empêche? La pression de ouf qu'ils doivent avoir, quoi. Les gens n'ont pas mangé depuis... Les gens n'ont pas mangé depuis un an quasiment, en multi. Allez, depuis Warzone au final. Bon, ils ont bien bouffé, tu vois. Et là, on leur dit, faut que le truc sorte, faut que ce soit carré, nickel, machin, truc bidule, quoi. Et vous vous souvenez, Valorant? Faut faire mieux que ça. Merci, Runtao, pour les 1 an de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, poulet. Ah non, fais-moi un bisou, proviseur. Genre sur la caméra, c'est ça? Vraiment, le cœur y est. Le cœur y est. Sache que le cœur y est, ok? Les gars font max de pub, donc maintenant, si ça sent le cul, ils vont leur... Ils ont pas fait max de pub. Leur pub est extrêmement intelligente. Mais en termes de développement, en termes de budget, c'est pas si ouf que ça. Are they top floor? Yeah, they are right. There is spawn picking connector window. Okay. A bomb must be located and defused. I want that phone. Give me the phone. The defuser is no longer in your possession. Bathroom. Bathroom window spawn peek. It was a invert. Bathroom is closed, actually. Parce que t'entends par bathroom window, mon gars, ça c'est bench window, du coup. Drone activated. There is no one top yellow stairs, bro. There is no one inside the yellow stairs. I'm gonna cover them for you, but we need to pick the diffuse. He's in the bathroom. Which one? The one in front of yellow stairs. Pick the diffuse and pick the and go yellow stairs, guys. Ah, je vais tomber. Allez. Mais va pas par là! Putain, qu'est-ce qu'il est con, sérieux! Oh là là, les gens sont des totos des îles, les amis! Vas-y, viens. Oh, mais là, c'est ouvert en fait. Shotgun on your right. Here. Come on, man. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. You have located the bomb. Dogweed's just in B. She's planting. Okay, coming. The user is on
Just reset, diffusers, bandit. She's behind the desk. Last operator standing. What are you doing? Oh mais ta gueule! Ah non, c'est pas bon. He apparently ran out of ammo. Comment est-ce que je l'ai raté? Ah ouais, le 100 de ping. Topo Tawé. No, they nerfed it. It's like 150. Ah mais non, c'est pas juste pas obligé là. Still, that's 6 rounds. That's 6 magazines. Oh ta gueule! Non, mais en train de parler de. De leur life quoi. Pre-firing too much. C'est pas ça qui me fait rater, hein, mais. Relou quoi. I do it. And then I get some 6-1 tops with pistols because I'm too stupid to keep ammo. Someone else take the diffuser. I don't like losing it. I kind of died. Yeah. Je peux pas le prendre, vas-y. I'm gonna take it. Comment tu le touches pas là? Je sais pas. Je sais pas où sont partis mes balles. Pour moi, c'est un kill easy et. You need to use your drone to locate a bomb. Je sais qu'il est là, je sais qu'il va pusher là. Mais... Bon, peut-être pas de réflexe. Je le loupe, hein. Ils vont être basement. Bravo, les amis. On a une Kali. On a un Maverick aussi. Bon, ils vont se démerder. Là, on va prendre un AS quand même pour simplifier les choses, non? Ça aurait été cool quand même. Mmh. 10 seconds to go. Il est un peu en retard, là. He's gonna be late in the main. If you pick the main, he's gonna be in the middle. No, he's not. You've located a bomb. And she, they didn't reinforce the one in the middle. Là, j'y vais comme un toto, au cas où. How they go brrrr. Encore plus devant la porte du garage. God fucking damn it, man. Attends. Go for it. No one's bandit checking. Go for it. We need the Hibana. Hibana, please. Do they have a mute or? Oh. Et ils vont attendre là, quoi. C'est ouf, ces mecs. Là, t'as un free kill, là. Forcément, ils sont tous sur site, ils iront pas. Tous tes fesses. Oh, les gens. Et l'autre. Ah non, je pensais qu'on avait... Sur site déjà. Ah, ok, there is one behind the white rock. I'm gonna push from spiral. Mais ça a aucun sens que vous faites, les amis. Sur ce jeu. Je pense qu'il y en a un tube. Jaeger was an A. I seen A. Moved into hallway. Fighting Cali. Office hallway. Pushing Doug B. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Easy, mec. Easy, t'as tout mis dans le tibia après la tête. Il a fait un tir vertical, l'autre. Et easy, il dit. Ah, man.
Je vais prendre Twitch. Yeah. I'll bring hard breach. Easy peasy lemon squeezy. Yeah. Blasé? Non, je suis en mode chill. Merci Runtao en tout cas pour les 1 an de frais scolarité. Ah mon poulet. C'est le chill mode du vendredi. Need to use your drone to locate a bomb. Salut Zirdox. N'oubliez pas derrière la vidéo les amis d'aller la liker, commenter, partager. Ça nous aiderait énormément. Si vous croyez au slogan to the fucking top, aidez-nous. Alright. Là, voilà la vidéo. C'est Bloc Lézard qui vous l'a envoyé dans le chat. Ce serait vraiment très cool de votre part. Parlez-en à votre père et à votre mère. Ils sont toujours là. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. Ouais, vendredi c'est Burger King aussi. Oh, alors celle-là je la connaissais pas ça. Depuis quand c'est Burger King vendredi quoi? Non, non, ça existe pas ça, je suis désolé. Personne a dit c'était Burger King vendredi. C'est poisson vendredi à la limite, ça c'est un vrai truc quoi, tu vois. Mais le reste non, ça existe pas. Le mien il est parti le 24 mai, bisous papa. Bien sur ce jeu. Tout va bien mon gars. Tout va bien. Ça veut pas aujourd'hui. Hein. Ça, les têtes veulent pas tomber. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. J'habite plutôt loin du campus. Il y a eu des bouchons sur la route. Inexcusable, L404. Inexcusable. Tu aurais dû prédire les bouchons. Ok? Le truc des bouchons, ce n'est pas un cas de force majeure. D'accord? Secure the bombs. Ouais. Non, je suis désolé. C'est inexcusable. Tu devrais être là à l'ouverture du campus. À 15h00. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ça serait de venir plus tôt la prochaine fois. Y'a intérêt. Vrai. Y'a intérêt, vrai. Merci infiniment Firestone Game. Nouvelle étudiant du campus, bienvenue à toi poulet. Enjoy le charme de la Solty Academy puisqu'on est sur Rainbow Six. J'espère qu'il y aura des trucs comme ça sur Battlefield d'ailleurs. Des charmes ou des skins ou des trucs. Y'a quoi sur Apex? Y'a des trucs Parce qu'à mon avis, y'a pas mal de choses qui vont être recopiées de Apex et de Battlefield 5. Il va pas falloir aller chercher très loin. Hein. Y'a quoi? Est-ce qu'il y a quoi pour les créateurs de contenu? BF4042? Ouais, non, ça existe pas. Ça. 4042, personne ne connaît. 2042, ouais, peut-être. Ouais. One tap. Oh du mec meurt Wanna go there? Not sorry. De toute façon c'est le mec que j'ai muté non? Là il était en mode Help me! Never mind.
failed. All friendlies have been neutralized. Yeah, I didn't configure it my my key binding. Na 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 na. BF4442. En parlant de ça, je suis en train de regarder je suis en train de re-regarder Blade Runner. Le 2049 là. Et en fait, à un moment, la date d'anniversaire de bon, je peux pas tout dire du coup si vous l'avez pas vu le film. D'un des personnages, c'est le 6 octobre 2021. Ouais. Donc c'est dans pas longtemps. Voilà quoi. Et c'est la météo est un peu plus dégueulasse quand même. Donc on a encore quelques années visiblement où on verra le soleil. Merci Raiden. Raiden. Nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi poulet. Vous êtes des monstres les amis. On fera une soirée pour fêter la naissance sur le campus. Un skin Salty Academy sur BF. Non mais il y a des skins sérieusement sur Apex et tout. Hein. Elle était comme ça cette fontaine avant, tu vois, c'est marrant. J'avais jamais remarqué qu'elle était jaune pâle comme ça. Elle était pas bleue avant. Y'a combien? 3-1, on se fait péter. Ok, c'est parti. On active le mode. Get your ass back here, you son of a bitch! Reloading, cover me! Be advised, Op 4 has located a bomb. Retargeting. Should have gotten Thunderbird. Magnet fit! Defense is up! Damn! Where are they? Somewhere out, I can't remember. Your time. Located a bomb. You know what to do. Your location has been compromised. Crash the drone. Strike shot two. Oh. Fizzing magnet. T'as aussi des mecs sur site? Non. One CEO rappelling, head down. Your identity has been compromised. This hatch for me, it's like, yeah. Did you? No, if Ella didn't try to kill me, I would have. She would have been able to give you rotations. Where's the IQ? Oh no, the ozone. Oh, it's on the rappel outside of B, on the main two windows. One CEO window. One in the toilet, dead. I got my ace, please. That's my ace. Oui, mais après, quand je fais ça, moi je peux plus parler au chat. C'est chiant. I'm gonna need someone to spawn peek that fuse, because we got killed by that last time. En même temps, c'est les P3, les mecs. Hein. Ah, pas loin.
J'ai pas vu de skin attitré à un streamer sur Apex. Il y a pas les trucs... Est-ce qu'il y a des trucs pour les créateurs de contenu de façon générale? Parce que ça peut être aussi comme sur code avec les codes là. Je sais même pas comment ça marche ce genre de truc là. Je pense que c'est quand les gens achètent le jeu. Bah non, parce que Warzone c'est gratos. Cafétéria garage. Je sais pas. Mais lui y aller. Six, est-ce que t'aimes bien Overwatch? Bof. Je suis pas un grand fan d'Overwatch. J'aime pas trop les jeux où tu peux pas mettre des gros one-tap, tu vois. J'aime bien les jeux à one-tap. Mon jeu numéro 1, c'est CSGO, hein, donc ça le restera toujours. Pour moi, c'est la référence absolue du FPS. Donc il faut des jeux qui, dans une certaine mesure, ressemblent un peu à CSGO. Quoi. Donc plutôt un gameplay contemporain. Je vais pas dire réaliste, mais pas trop de jetpack ou de wall jump ou des trucs comme ça, tu vois. Warzone n'existera plus dans quelques semaines, je sais pas. Il y aura beaucoup de gens qui vont passer pour tester BF, mais tout dépendra de comment BF réagit au final. Quoi. À mon avis, Warzone a mis un truc dans sa manche où ils vont être en mode ok. Ils vont attendre 2-3 mois, tu vois. Même 1 mois, 2 mois. En mode oui, effectivement, on va rien faire. Et au moment où les gens vont commencer à dire ouais mais BF tu vois, je pense qu'ils vont sortir une mage ou un truc comme ça en disant revenez sur Warzone les mecs. Un truc comme ça je pense. Salut et merci pour ta vidéo de FT, c'est vraiment trop cool. Ah ça me fait plaisir Morgan, merci beaucoup vraiment. Morgan ou Morgan? Yeah, they are trying to open the... Camera ready. Oh les mecs. Vas-y, viens là, Zero. Zero is in the yellow... At the yellow door. Au niveau du son, on est où là? One yellow. Reloading. Two coming in here on main. One yellow stairs. Hit fuse a couple times. Op 4 has located a bomb. Tellement de nos skills ce truc. Même en essayant de faire des petits trucs un peu skillés, de tirer dans le truc et tout. Il faudrait un petit temps, tu vois, il faudrait que ça fasse toum. Tu vois. Et qu'il y ait un peu de temps quand même en. Oh bah là. Ah si, je me coupe une couille si mettent le clutch. Nice. Ça n'arrivera pas en live. Let's go. Les pauvres loulous. Noobed, comme on dit. Salut Siscat, t'as gagné beaucoup de games dans ma carrière? Énormément, ouais. Ouais. Damn, we got shit on! Oh, c'est chiant ça, que je puisse pas couper le son, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je me dis que ce coup de poker, ça aurait dû être Vanguard, mais vu comment c'est parti, je dirais plutôt 6 mois avant que Warzone revienne dans la course. Dans le cas où Battlefield répond aux attentes. Je sais pas. Honnêtement, je suis vraiment... Je sais pas parce que le truc déjà, tu vois, c'est que Warzone, même sans être dans l'e-sport, ils arrivent à créer des compétitions qui font la hype, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un Battle Royale, parce qu'il y a un truc et tout, tu vois. Alors, le problème, en fait, avec BF, comme il va sortir...
si tu dois faire déjà la partie compétition, ok, mais qui n'est pas forcément des compétitions aujourd'hui, j'ai l'impression que l'e-sport est moins important qu'il ne l'était par le passé, tu vois. Les gens veulent l'équivalent de la compétition, ils veulent du Twitch Rivals, quoi. Ils veulent du snackable, quoi. Ils veulent des trucs faciles à digérer au final, quoi, tu vois. Et du coup, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas si. Parce que tu partirais sur quel mode si tu fais ça, tu vois. Ne serait-ce qu'un truc compétitif. Tu fais du 64 contre 64. En fait, le problème, c'est que toute l'essence et l'intérêt de Battlefield, c'est le. Ça vient du mot Battlefield. C'est un champ de bataille. C'est l'intérêt. C'est que ça pète dans tous les sens, etc. Oui, il y a du 3v3. Ouais, il y a du 5v5, tu vois. Mais la vraie essence de Battlefield, c'est que ça pète dans tous les sens. Et qui est beaucoup de gens sur des maps, quoi. Ça a toujours été ça, au final. C'est un champ de bataille. Et qui dit ça, dit d'un point de vue e-sport, tu peux pas vraiment. Enfin, d'un point de vue compétitif, dans le sens large du terme, sans parler d'e-sport, tu vas pas voir énormément de compétition, quoi. Donc, déjà, sur cette partie-là, c'est pas bon, ok ? C'est mort. L'autre partie maintenant, qui serait juste un jeu extrêmement facile d'accès, extrêmement fun à jouer. Ok, très bien. Ça, c'est possible. Ça, ils peuvent le faire. Ça, ils peuvent concurrencer Warzone. Mais le problème, c'est la gratuité, en fait. C'est la gratuité. Le jeu coûte 80€. Warzone, ça marche parce qu'il y a beaucoup de jeunes dessus, en fait. Et quand je dis des jeunes, je pense parfois à des très, très jeunes, au final. Voilà, quoi. Et sur Battlefield, sur Xbox, le jeu coûte 80€, tu vois. Donc, s'ils font comme Warzone, c'est-à-dire ils sortent d'abord un code et après un Warzone, après un Battle Royale, pourquoi pas un Battle Royale qui marcherait et je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, in fine, est-ce que le jeu peut perdurer ? Le jeu peut détrôner Warzone, ok ? Parce qu'en plus, les gens en ont marre de tous les jeux. Les gens en ont marre de Tarkov, les gens en ont marre de Rainbow Six, les gens en ont marre de Call of Duty au final. Et de Fortnite, bien évidemment. On a trop vu, c'est normal, quoi. Il y a un moment, voilà, quoi. Même si t'aimes ton blouson, quand ça fait 6 ans que tu mets le même blouson, il y a un moment, t'as envie de changer, au final. C'est assez logique, quoi. Et du coup, donc, il y a une attente de la part de la nouveauté, de la part des joueurs. Mais je sais pas. Je sais pas si ça peut perdurer. J'ai peur, moi aussi. Hein. J'ai peur qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, le jeu, plus personne ne veuille en entendre parler, quoi. T'as pas dit Counter-Strike et t'as raison. Bah ouais, mais parce que Counter-Strike, Roth, salut KRL, comment ça va poulet ? Bien ou bien ? Counter-Strike rentre dans l'autre catégorie, dans lequel un autre jeu, qui est juste derrière moi, qui s'appelle Rainbow Six, va bientôt rentrer au final. Celui de, si tu crées du contenu qui n'est pas dans une logique compétitive, éducative par exemple, pour toi KRL, mais ça intéresse pas les gens. Franchement, ça intéresse pas les gens. Et enfin, je parle d'intérêt comparé à l'intérêt que pourrait être porté Enfin, demain, en gros, il y aura pas l'équivalent d'un show 1 sur CS, quoi. C'est pas possible en final. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si Zywoo demain décide de se mettre en mode putain de créateur de contenu avec un entertainment de ouf, etc. Il arrête sa carrière et il rentre à fond dans Counter-Strike. Ou même Valo. En France, les gens, ils s'en battent les couilles. Ils veulent du Fortnite, du GTRP et du Warzone. Voilà, quoi. Ça va, je t'ai DM Twitter. Ok, tu m'as DM Twitter. C'est la photo de... Ok, merci. Merci. Non, on s'envoie des petites photos de nos ex. Non, je déconne, c'est pas vrai. Oh. Ok, je regarderai, KRL. C'est les niches. Non, ça a rien à voir. C'est pas des niches. C'est toujours les mêmes problèmes pour lesquels je rage depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi en France, mais je trouve que l'intérêt porté sur les jeux vidéo est porté sur les jeux vidéo que je prêche pour ma paroisse. Sur des jeux vidéo que je considère comme des jeux vidéo de merde. Je considère Fortnite comme un jeu vidéo de merde. Je considère Warzone comme un putain de jeu vidéo de merde. Et je suis dégoûté de voir le succès d'un CS, d'un Valorant aux États-Unis, etc. Par rapport à la France, c'est tout, quoi. Franchement, ça, voilà, quoi. C'est aussi simple que ça. La référence absolue pour moi, c'est CS. Et en particulier sur du FPS. Et c'est pour ça que j'aime autant Rainbow Six. Parce que c'est une version... si CS est du football, Rainbow Six, c'est une espèce de... c'est du football américain.
Voilà quoi. Déjà, CS, il y a un gros désavantage vis-à-vis du grand public, c'est que tu peux avoir la phrase terroriste win. Oui, ouais, oui. Oui, d'accord. Mais bon, ok. Faisons abstraction de CS. D'accord. Parlons de Valorant. Valorant, c'est pour beaucoup de gens la version justement. La version, on n'est pas des trous du cul élitistes comme Valve. Je noircis le trait, mais c'est à peu près ça, quoi. On a compris comment ça marchait le marketing chez Riot. Donc on va mettre un mode qui enlève le sang, on va pas parler de terroristes et d'antiterroristes, on va rester dans une DA qui va s'approcher d'un Overwatch, parce qu'on a compris qu'on pouvait utiliser des scars ou un lance-roquette, mais il faut que le mec il meure pas vraiment, voilà quoi, il se transforme en un hologramme, etc., qui n'ait pas de tache de sang, etc., voilà, tout pour l'e-sport. Pour les sponsors qui peuvent aller derrière et pour le marché chinois aussi, par exemple. Enfin, j'imagine. J'aurais dit football australien pour Rainbow Six. Dont personne n'a entendu parler. C'est quoi, c'est un football avec des kangourous ou que, comment ça se passe? Ah, les clichés, ça va. Et 1 minute 54, allez, c'est bon. Valo version cartoon de CS. Ouais, ouais, bien sûr. Mais une version cartoon qui a tout compris quand même sur certains éléments. Ça, faut pas le... Moi, j'adore CS. Hein. Je l'ai toujours dit. Je suis un enfant de Half-Life, je suis un enfant de Counter-Strike. C'est tout. Mais Valorant a tout compris. Moi, j'adore Valorant. KRL n'aime pas Valorant. Je peux comprendre aussi, tu vois. Si demain, on faisait un rip-off, une pâle copie version j'ai tout compris d'un Rainbow Six. Si demain, parce qu'il y a un autre jeu qui a fait exactement la même chose. Et Riot a fait la même chose. En fait, ce qu'ils ont fait, Valorant est à CS, ce que League of Legends est à Dota, en fait. Ils ont fait, ok, ça marche. Ok, mais nous, on va le faire avec un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus fiadé, énormément travaillé. On va mettre énormément de temps dessus, qui tourne sur tous les PC, vachement bien optimisé, vachement propre, pas trop de cheat, etc., etc., quoi. Et on va... Et ouais, enfin... c'est vraiment de la merde, exactement. Tu connais pas le footy? C'est un mélange de rugby et de football. Ah ouais? Non, je connais pas. Non, je connais absolument pas. Valo est tellement édulcoré, sans identité, je trouve ça triste que ça fonctionne si bien. Mais... ça fonctionne aux États-Unis. En France, c'est le même syndrome que CS, sérieusement. En France, honnêtement, laisse-moi te raconter une histoire. Tu prends un mec de Valorant, lambda, ok? Le mec demain rentre chez BDS Valorant, je sais pas, tu vois, un truc, même on s'en fout en fait, un truc Vitality Valorant. Il rentre chez Vitality Valorant. Un joueur de Vitality Valorant demain gagne pendant 3 années d'affilée les World Championships de Valorant, ok? Le mec, c'est le maître incontesté de Valo, quoi. Dans 3 ans, il décide d'arrêter sa carrière et il se met sur Twitch, ok? Et plutôt que d'être dans 3 ans, essayons d'imaginer que ça se soit arrivé les 3 dernières années avec le fait que Valorant n'existe pas depuis 1 an, mais depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on est à ces 3 ans. Il se met sur Twitch. Le mec fait 500 viewers, max. Max. C'est tout. That's it. Et il fera 1000-2000 viewers s'il décide de streamer en anglais. Okay. S'il décide de streamer en anglais, il fera 1000-2000 viewers. Mais attention, il aura beaucoup de reach, il aura beaucoup de followers et il n'aura pas forcément énormément de subs. Et c'est la triste réalité. Valorant a quand même une identité propre. Moi, j'adore Valorant. Franchement, j'adore Valorant. Je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Je pourrais faire le vieux con et dire « Ouais, non, CS, ça reste la référence absolue. » Oui, CS reste la référence absolue, c'est clair. Mais Valorant, c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça super sympa au final. Vraiment, quoi. La censure, c'est pas que Rainbow Six, c'est les animés aussi. Il y a une idée générale comparée à il y a 15 ans qui montre la réalité violente, c'est nocif. Ok, je vois pas trop ce que ça va faire là-dedans, poulet. No offense, hein, mais voilà. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas d'icône forte de Valorant ou CS et les gros streamers FR ne s'intéressent pas à ces jeux-là. Désolé, hein. Ouais. Et en France, Twitch, principalement, c'est soit l'e-sport, c'est Fortnite, ou code à la manette, ou venir de code à la manette, ou alors c'est pas du tout l'e-sport du tout, c'est le casual gaming. Et on intègre dedans GTRP. J'ai le seum, hein. Bien sûr.
Mais je trouve ça... En plus, tu vois, après, t'essaies de prendre du recul. T'essaies vraiment d'être objectif. Tu te dis, mais bordel de merde, mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Est-ce que c'est vraiment parce que je suis un vieux con ou vraiment, quand je regarde un code ou un CS, mais CS, c'est tellement putain de sexy, sa mère. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Déjà, le simple fait que des gens se soient intéressés à un moment à regarder des gens qui, en e-sport, pouvaient faire des FPS à la manette, je comprenais pas. Que des professionnels te sortent dans des interviews, ouais, j'avais pas activé mon aim assist. Et what? T'imagines, sérieusement? Enfin, je sais pas. Moi, c'est inconcevable, en fait. C'est inconcevable. C'est la même chose que si demain, on me disait, tu vas regarder le Tour de France? Ouais, ouais. Et un pro qui dit, ouais, désolé, j'avais oublié de recharger la batterie. Hein? La batterie? La batterie. Je comprends pas. Je comprends pas. Et le pire, c'est qu'il y a toute une génération de mecs de mon âge qui devraient normalement éduquer leur mioche en leur disant « Non, tu joues pas à code !» Tu vas sur Counter-Strike et tu reprends à zéro, ok? Ah, oh, c'est ça, moi. Ah, pourquoi j'ai pas de gamin, hein, franchement? C'est mort. C'est mort. Wow. Bon, tout s'explique sur ça, justement, le manque d'entertainment autour d'un ou plusieurs joueurs en France. Pas de storytelling. Non, il faudrait déjà étudier le marché de la console. Je pense qu'il faut étudier le marché de la plateforme, en fait. Peut-être que le pouvoir d'achat fait que aux États-Unis ils ont plus de PC que de consoles déjà. Donc déjà il y a déjà ça qui voilà quoi. Parce qu'en fait il y a peut-être une volonté de la part parce que 100% des personnes qui sont sur console à l'heure actuelle et qui me regardent par exemple sur Rainbow Six sont vénères quand je vais faire des petites allusions par rapport à la console, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont extrêmement frustrés du fait de ne pas pouvoir avoir accès au PC, parce que ça coûte cher, mais ils le savent très bien aussi, c'est ça qui crée la frustration. La frustration, elle n'est pas créée par un truc que tu te dis, bah non, il dit de la merde. C'est surtout parce que tu sais qu'au final, la personne en face de toi, elle a raison, quoi. Et on le sait, tu vois. Et donc, le truc, c'est que tout le monde sait que... Enfin, peut-être que le pouvoir d'achat en France fait qu'il y a moins de joueurs qui jouent sur PC que sur console. Mais regarde un jeu comme Tarkov, par exemple. Un jeu comme Tarkov, c'est... Oh, je vais me prendre un pick advantage de ouf, là. Il est beau, celui-là, non? Ah non, il est sur le toit. Je connais pas la map en fait. Non, je connais pas les angles non plus. He was on the roof, he's rappelling. Maybe close to here on my ping. Grenade. Boom. On t'a pas du tout entendu, mec. Godly? Godly? Bah, allez voir si c'est pas Godly qui est en stream. Lo, le storytelling autour de CS est dingue. Le jeu vit depuis 20 ans sans que l'éditeur en ait quelque chose à foutre. La communauté est incroyable. Ouais, grave. Non, vraiment. Vraiment. Et puis t'as des grosses équipes, quoi. Enfin, et puis en plus, tu vois, c'est quand même ouf, quand même. C'est quand même ouf que de savoir que l'un des meilleurs joueurs au monde, tu vois, je pense qu'on peut facilement dire l'un des meilleurs joueurs, je veux pas dire top machin, quoi. Mais il est en France, quoi, tu vois. C'est quand même ouf, quoi. Ça faisait hyper longtemps. Enfin, ça faisait quand même quelques années que la France sur CS, c'était un peu moins ça, quand même, quoi. Secure the area. Keep the bombs protected. Et ouais, je sais pas.
Je sais pas. Et c'est tellement intéressant, franchement. Enfin, moi, l'une des seules compétitions que je regarde, c'est les IEM Katowice. Hein. Et ça, ça énerve énormément, hein, à chaque fois je le dis, parce que les gens veulent me mettre dans une niche, etc. Mais les IEM Katowice, je les regarde en entier, quoi. Ainsi que Simitational, je les regarde pas en entier. C'est pas Godly? Ok. Man, no offense. Hein. Je peux pas regarder un six en entier, c'est pas possible. Je peux pas. Les IEM Katowice, je suis... voilà, quoi. Après, les goûts et les couleurs, hein, mais... Oh, j'ai les mêmes. Avec le petit tambour en caoutchouc, là. Elle est où? Merde. Ouais. Pour pas abîmer le carrelage. C'est vrai, ça. Aux US, le joueur pète sous son lit, il y a une vidéo avec un teaser du teaser et une copac sur son nouveau parfum. Et en France, je trouve ça pauvre à ce niveau-là, c'est ce que j'entends par storytelling. Désolé, je regarde pas le chat. Ouais, le meilleur joueur du monde depuis 2 ans, il est FR. En effet, c'est dingue. Depuis 2 ans. Tu considères pas Simple comme le meilleur joueur du monde, KRM? Après, c'est toi le pro, hein. Quand même. On peut pas dire que Zaewoo soit plus fort que Simple, tu sais. C'est ouf parce que Zaewoo c'est le même que Renshiro. Ils seraient frères que ça m'étonnerait pas. T'sais. C'est genre les mêmes. En eux. Okay. Oh les mecs, sérieux, je leur donne une seconde chance, quoi. Pokémon! Ah! Oh, lui, non! Merde, ça, je m'y attendais pas à l'autre, là, à droite. Ah, ils sont pas ouf. Bon, manière, en même temps, pour Pic Favela. Mais elle est cool, la map, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Si, Zaewoo est plus fort. Ah ouais? Ok. En ce moment, c'est Simple, mais tous les ans, il y a un ranking Zaewoo sur le HLTV. Et Zaewoo est le top 1 2 ans de suite, et faut savoir que c'est les 2 premières années en pro. C'est du jamais vu. Ah, il est monstrueux, hein. Il est vraiment monstrueux et puis il joue avec une simplicité, c'est ouf. HLTV, ok. Bah ouais. Et je le dis pas forcément plus que pour des jeux sur lesquels je suis, hein. Parce que genre Tarkov, moi, fait partie des en 2020, T1. Fait partie des jeux que j'ai le plus regardé sur le stream, quoi. Je trouve ça exceptionnel comme jeu, vraiment, quoi. Mais ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, je crois, enfin, ça va être salé, hein, mais je crois que les jeux vidéo, ça fait exactement comme les émissions de télévisées, pardon. Et il y a une paupérisation intellectuelle, quoi. En fait, il faut des jeux de cons pour des cons, quoi. Ah, désolé, hein, mais bon, voilà, quoi. Faut que ce soit facile, faut pas trop que ce soit dur, faut que je puisse faire des kills facilement, parce que bon, autrement, j'ai pas envie de tryhard, machin. Ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que 100% des Français veulent voir que du tryhard en ranked de la part de leur créateur de contenu, mais eux, en revanche, vont sur des jeux où, bon... Où en fait, au bout de 10 minutes, t'as compris, voilà, quoi, c'est pas difficile, quoi, tu vois. Et c'est ouf. Donc Tarkov, trop dur. Rainbow Six, trop dur. Même CS, trop dur. Ah. Le mec a un game sense de robot, il sait tout. Zaewoo, ouais. Et il est pas né le même jour que la sortie de CSGO, un truc comme ça.
Le fameux je vais sur Warzone pour me vider la tête. Non mais franchement je considère Warzone pour moi c'est le touche pas à mon poste du jeu vidéo. Désolé. Voilà. Y'a aucune excuse pour jouer, pour regarder touche pas à mon poste. Non non non, pas de ouais mais je pose mon... Écoute Cyril, de temps en temps on peut s'enflammer, hein. Je ne sais pas ce que je disais. Ah, je suis désolé, j'adore touche pas à mon poste. L'interview l'autre jour avec la fille de Bernard Tapie pour savoir si Bernard Tapie était mort ou bien mort, c'était du grand journalisme. Moi j'adore ça. Hein. Voilà. Est-ce que c'est possible de me rendre mon PC maintenant? Ah merci. Hein. God damn it. Ah mais il est mort en plus. Il fume et tout. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Coucou YouTube. Ah mais il redémarre pas. Ah si mais... Attends! Ah bon, bref. Ok, c'est le cheat qui fait les conflits avec Windows 10. Ouais, je pense aussi. Ouais. Le gros cheat. Non, mais vous vous en pensez quoi? Mais il faut se rebeller, les amis. Ok? Il faut se rebeller. Ok? Il faut se rebeller, c'est tout. Il faut se rebeller. Je sais pas si les choses auraient. Je sais pas si les choses seraient différentes. C'est beau quand même. C'est pas du tout mon fond d'écran, mais c'est beau. Le PC est mort. Le PC, et là je disparais. Hop là, et je réapparais. Et je disparais, et je réapparais. Et je disparais, et je réapparais. Ouais, c'est moi. Et alors? Ok? Et ouais, j'avais des bûches, ok? Et ouais. Alors faites pas yesh. Et ouais, c'est Battlefield. Voilà. Ok, cheval de Troie d'Anouna. Ouais. Bon bah je relance le jeu, hein. Ça fait quand même trois fois. Hein. Le jeu a crashé trois fois sur les trois derniers jours. Et derrière, voilà. God damn it. Aïe, aïe, aïe. La rébellion, ça coûte cher maintenant. Ah bah ouais, que voulez-vous? Non, mais rebellez-vous, ok? Rebellez-vous. Allez soutenir les créateurs de contenu qui font des jeux différents. Voilà, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Tout quoi, du CS, du Valo, du R6, du Tarkov, des gros jeux comme ça là, des bons gros jeux là. Des bons gros jeux où faut mettre des bonnes grosses têtes, des jeux bien durs. Alors sorry hein, mais bon j'y peux pas grand chose au final. Du coup ça m'a tout coupé, mais genre c'est cool Rainbow Six quand même. Aïe aïe aïe, je te jure. C'est bon la musique? Ah on a de la musique, ok, ça revient petit à petit. Putain. God damn it, c'est bon. Moi, j'attends toujours le comeback des MMORPG depuis des années. Bah, New World, là, c'est si nul que ça? C'est pas ouf? Warzone. Moi, je me rebelle sur les Everyone dans les channels sur le campus. Ok, alors que ça pourrait être arrobas seulement le... Ok, c'est vrai, Shadow. Go Fortnite, il crash pas. Vas-y, hey, je vais tous vous bannir. Je vais tous vous bannir. Je vais tous vous bannir avec votre Fortnite tout pourri. Là. Aïe, aïe, aïe. Ou alors c'est peut-être la moyenne d'âge. C'est peut-être la moyenne d'âge aussi. Je pense la moyenne d'âge des gamers, peut-être d'un gamer en France, est peut-être plus jeune que celle aux États-Unis, quoi. C'est possible aussi, hein. C'est vraiment possible, quoi. C'est même fort probable au final. Salut, vous savez où je pourrais récupérer ces settings d'armes? C'est clair que, enfin, je sais pas, hein, mais c'est clair que si j'avais eu 13, 14, 15 ans et que Warzone était sorti, honnêtement, je serais sûrement tombé dedans, hein, vraiment. Parce que le jeu a tout pour plaire. Le jeu a tout pour plaire. La bêta BF, tu y joues dès la sortie ou même heure que les lives de d'habitude? Non, la bêta de BF, franchement, je vais y jouer dès la sortie. Hein. Dès que je peux. À 9h01,
le 6, il y a une vidéo qui part sur le campus. Ok. Ah bah du coup c'était pas fini. Mais si tout le monde dit que Warzone et Fortnite c'est caca, pourquoi il y a autant de viewers? Pourquoi les gens... Pourquoi les gens vont pas sur des lives CS? Quel monstre. Bah attends, il le tue pas là, ça. Les gens n'ont pas de goût. Bah non, je crois pas, honnêtement. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. C'est les joueurs console beaucoup aussi. Ouais, bah c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Donc forcément, il faut un jeu qui soit disponible sur la plateforme. Quoi. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre pour le coup. Et ça doit être pareil sur eux. Je peux pas monter là. Four last operator standing. Pas de drone. Bah c'est comme il y a beaucoup de gens qui regardent Lille en Ligue des Champions et pourtant c'est de la merde. Ouais, je vois pas le rapport. Mais pourquoi pas? J'ai pas la ref. Tu es beau, toi aussi t'es beau, Mimu Wara. Oh le Pokéball. Oh, il est magnifique. Magnifique. Fortnite, c'est vraiment un bon jeu. Et l'argent qui est mis dedans retient les joueurs aussi. Fortnite, c'est vraiment un bon jeu. T'as testé l'Emnis Gate? Ouais, je l'ai testé. Hein. Je l'ai testé, je l'ai acheté, je l'ai testé une heure. Je l'ai refound. Ouais, non, j'aime pas. C'est pas ma cam. Ça a l'air d'être un bon jeu et tout, stratégiquement. Ça a l'air d'être cool et tout, mais c'est pas du tout mon type. Voilà, quoi. Y a trop de trucs qui arrivent de toute façon. Du coup, bah ouais, je suis dernier au scoreboard, du coup, bah bravo. Parce que ce sont des jeux dynamiques et qui offrent un gameplay spectaculaire, peut-être. Et pas besoin de réfléchir pour comprendre le jeu, contrairement à R6. Ouais, mais... Ouais, mais bien sûr. C'est la même chose, c'est à peu près la même chose que si je demandais pourquoi les gens arrêtent de lire et regardent la télé, quoi. Parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a un côté chiant, quoi. Parce qu'il y a une certaine difficulté. Au final, c'est logique. C'est complètement logique. Ça fait peur, mais c'est logique, quoi. Tu connais Don't Starve 6? Exceptionnel. Don't Starve Together, je dois avoir 200 heures dessus, je pense. Très très bon comme jeu. Très très bon. Hyper bien fait, la DA est très bonne et tout. Voilà quoi. T'as déjà joué à Insurgency Sandstorm? Oui. Je suis pas fan. What? Qu'est-ce qui vient de faire ça là?
The diffuser is now secured. Throwing frag! Located a bomb. Top four last operator standing. Allez, you can take the diffuser and plant, I think. I got him. Don't push. Okay. Top four eliminated. Friendly mission successful. Je sais pas c'est quoi leur défense là. Don't push. Et le mec il push. Quel toto des îles. Sur un mec chaud en G4G Sniff. Hello BB4, merci infiniment à toi pour tes 34 points de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy comme une bonne étudiante qui se respecte. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que tout va bien dans ta vie. Merci infiniment. Vraiment, ça me touche énormément. Vous êtes des monstres, les amis. Merci aussi Disketeur Aguerri pour les 6 mois de frais de scolarité. Oh la punchline. Vas-y, je vais la sortir. Je vais la sortir ce soir. Eh, hey. Ma marque de chips préférée, c'est toi. Que t'es grave croustillante. Je le ferai avec un accent du sud, comme ça on m'excusera d'être un peu beauf. Si. We need to locate a bomb. Non, on le sait tous que c'est dans le nord. On sait tous que c'est le nord de la France. Voilà quoi. Le nord de la France et le Morbihan. Ah, là il y a les beaux. Le Médoc aussi. C'est tous les rednecks. 10 seconds to insertion. Allez, pas mon. 5 seconds to insertion. J'ai été cliché. Merci le lézard pour les 10 mois de frais scolarité. Symbiose pour les 2 mois que j'avais oublié aussi, les amis. Je suis vraiment désolé. Depuis tout à l'heure, on parlait et tout. Super intéressant. Ok, bon, je suis dernier au clutch. Au scoreboard. Donc, on va changer ça, ok, les amis. Qu'est-ce que je fais là? À part faire le coup. I can open for you. Il va piquer au fond, il va mourir. Il est trop con. Putain, mais les gens sont plus flashés dans le jeu là. Je voulais lui mettre une petite flash qui me permet de lui mettre une autre flash, vous pensez? Elle était propre ma flash. Ah non, il y a un petit rebord, putain, ça fait comme ça. Ok, j'ai rien dit. Ah, j'avais oublié que c'était pas ouvert comme en dessous. Sorry. Le tout bip dans le nord, grave. Et merci infiniment Rafale 4 d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité ou de devenir des étudiants encore plus de la Solty Academy. De payer leur droit de scolarité au final. Pour I'm Alex, pour Roms8D, pour Leila Richards, pour Gedin, pardon, et pour Nat Game,
Ils se font tous payer leur droit de scolarité grâce à Rafale. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Pour Rafale04. Merci Rafale, t'es un monstre poulet. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Ok. Ah, c'était cool en revanche de... C'était cool de faire du... De là. Comment elle s'appelle déjà? Ça fait là. Ça fait hyper longtemps. Avec plaisir, merci Rafale, vraiment. Voilà. Bonsoir, beauté des îles. Bonsoir, comment ça va? Vous avez prévu quoi de votre week-end du coup? Franchement, avant la sortie de Battlefield de la semaine prochaine, moi je vous conseille de vous reposer. Ok? Parce que samedi prochain, vous êtes tous sur BF. Donc je veux rien savoir. 100% vous êtes tous sur BF. Anniversaire avec les potos. Genre le tien ou quelqu'un d'autre? Un bon écran pour les jeux compétitifs? Asus PG258Q. Question suivante. Non, Asus c'est bien. BenQ c'est bien aussi. BenQ the win. Hein. Apparemment c'est pas trop mal. Hein. Après le reste je connais pas. AOC j'en avais testé un, il était pas trop mal aussi. Bah voilà, il faut plus de 140 Hz, c'est déjà pas mal quoi. Enfin 140 Hz minimum c'est déjà bien quoi. Là tu commences à te faire plaisir honnêtement. Hello Spyron. J'ai un HP 24 240 Hz perso. Ouais, bon, après, 240 Hz AMS, voilà, je pense. Après, c'est peut-être dans la colorimétrie, dans les couleurs, peut-être, c'est pas ouf, quoi. C'est possible. Hein. Essayez enfin... À quoi? Essayez d'enfin aller voir Kaamelott. Ouais, non, j'aime pas Kaamelott. Ouais. En revanche, je suis allé voir Dune. C'est vraiment très bien. Et pourtant, j'aime pas la science-fiction. Donc, je partais avec un genre vraiment... Comme ça, tu vois. Et franchement, exceptionnel. Vraiment très, très bon film. Vraiment, vraiment. Faire une soirée avec cocktail à la bétonnière. Comment ça la bétonnière? Genre la bétonnière? Une vraie bétonnière? Asus PG258Q, c'est ça? PG258Q, c'est le 240 Hz de mémoire chez Asus. Il me semble, hein. Il me semble. À vérifier, à voir. Mais c'est possible. Honnêtement. Alright. Oh yeah. Profitez de l'air. As-tu regardé la série de Moment sur... De Moment M-O-M-E-N-T? Le streamer? T'as déjà vu Nightcrawler? Non. Pop, pop, pop. Oh là là. Merci infiniment. Vraiment, Rafale, t'es un monstre, poulet. Envoyez plein de GG et plein de cœur pour sa grande générosité. Vous êtes des monstres. Ouais, je suis là, je suis derrière la vitre. 2 secondes, je fume. Merci infiniment, envoyez pour Rafale. Putain, le monstre. Merci beaucoup, poulet, t'es un monstre. Vraiment, vraiment, vraiment. Plein de GG, plein de cœur. You're a fucking monster. On est sur quoi? Skyscraper. Ah ouais, Favela, Skyscraper. Bah, c'est génial, ça. Non, en ce moment, je suis en train de regarder Blade Runner. Enfin, re-regarder Blade Runner. Voilà, quoi. Je sais pas, c'est le côté Netflix, mais souvent quand je veux regarder un film, en fait je m'aperçois que je les ai tous, enfin j'en ai vu beaucoup, et que bah du coup il m'en reste pas des masses à voir, et souvent je vais re-regarder des films où je sais que je vais pas être déçu quoi. Donc il y a pas mal de... Depuis un an là, où je fais de temps en temps du Netflix, souvent quand on travaille là avec le pôle événementiel ou les trucs comme ça, parfois je mets un Netflix derrière quoi. Et souvent c'est un film, et souvent quand c'est un film, si c'est pas un documentaire ou un truc comme ça, si c'est un film, c'est un film que j'ai souvent déjà vu quoi. Genre hier soir j'ai revu No Pain No Gain, qui est très très bon, ou Pain and Gain, je sais plus. C'est vraiment très très bon, c'est un film de Michael Bay, avec Vas-y, j'ai pas le droit de regarder le chat, c'est important. Pourquoi j'ai Matt Damon? Mark Wahlberg, The Rock, Mark Wahlberg, The Rock. Y'a qui d'autre au casting? Bon, principalement eux, quoi. Mark Wahlberg et Dwayne. Ouais. Dwayne Johnson. Ouais, Dwayne Johnson, pardon. Ouais. Excellent. Vraiment trop bon. Trop, trop bon. Vraiment très, très bon. Inspiré d'une histoire vraie, en plus. Complètement barré. Les dialogues sont bons. Ah oui, y'a Ed Harris aussi dedans. Ed Harris. Anthony Mackie, je crois. Ok. Trop bien, No Pain No Gain. Très très bon, très très bon film. Et c'est une histoire vraie. Enfin bon, après, quel est le degré de véracité, je sais pas, mais... Inspiré. Si t'aimes les films de type guerre, regarde la série The Punisher. Trop bien.
Je sais pas. Elle est ouf. Ah ouais? Je sais pas, ça m'a pas tenté des masses quoi. Ça m'a pas tenté des masses. Et si vous aimez les trucs de type guerre, j'espère que vous avez vu Benz of Brothers quoi. Mais il se passe quoi maintenant? Pourquoi? Est-ce que c'est rouge en haut à gauche là? Pourquoi 129 de ping? Pourquoi? C'est insupportable ce jeu parfois. Vraiment quoi. Le truc m'a. Écran bleu. Désolé mais bon. Merci Bradry pour les 4 mois de frais scolarité. Un monstre poulet, vraiment. Vas-y, je vais mettre ça là. T'as regardé Squid Game? Ouais, j'ai regardé Squid Game. Ouais, j'en ai parlé la semaine dernière. Ouais, pas très bon. J'ai beaucoup aimé. Bon après, j'ai vraiment un... J'aime beaucoup le... J'allais dire le cinéma, mais non en l'occurrence. Mais j'aime beaucoup le cinéma coréen pour le coup, quoi. Et je sais pas, je trouve que même des acteurs un peu random, est-ce que c'est parce que c'est en coréen ou je sais pas. Et quand je regarde un film français, ok, j'ai toujours l'impression que les gens jouent mal. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est dans ma langue ou pas? À chaque fois, je trouve que c'est mal, quoi. C'est. Je trouve ça mal joué. Tu vois, j'ai regardé le trailer de Gang Machin, là. Je sais pas, c'est un truc. J'adhère pas, en fait. Et en coréen, là, tous les acteurs dans le truc, tous les acteurs, je les ai trouvés exceptionnels, quoi. Enfin, exceptionnels, non, mais très très bon pour le coup, quoi. Très très bon. Il y a vraiment eu leurs émotions et tout, je trouve ça très très bon. Vas-y, mais ils sont où en fait les gens? Je vais me mettre là, je vais me prendre une énorme tête. Il va arriver. Ok, j'ai vu personne, je suis trop content les mecs, vous avez des monstres, merci. Ouais, je sais pas, hein. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Et Squid Game, donc c'est pas non plus la série, tu vois. Bon, c'est la série dont tout le monde en parle, mais bon, dont tout le monde parle en ce moment parce que bon, vas-y. Y a peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a un petit côté effet de mode et tout, comme Casa del Papel, quoi. Ce qui est pas forcément un gage de qualité, désolé, mais bon. Voilà. Mais Squid Game, vraiment, est cool, quoi. Ouais, ils ont pris le concept du Battle Royale, du film Battle Royale, parce que le jeu Battle Royale ou le style Battle Royale vient d'un film coréen, hein. Alors qui peut-être lui a été pompé sur un livre ou je sais pas quoi. Mais à la base, ça, c'est un truc qui s'appelle Battle Royale. C'est vraiment la même chose. Quoi. Très très bon film d'ailleurs. Assez dingue. Les Américains sont trop centrés sur eux. Ouais, je sais pas. Il y a quand même des trucs très très bons au stage quand même, hein, on va pas se mentir. Ah mais c'est les mecs d'en face en fait, c'est les mecs de tout à l'heure. Ouais. Franchement, il y a quand même des séries de ouf. Hein. Je whip. Hein. 10 seconds remaining. Yeah, motherfucker.
je connais pas les liens. Et je suis derrière le mur! Non! Oula! Oula! Il a combien de trucs lui? Il a 4 FPS le mec! 4 FPS ou ça cheat? Parce qu'après il a fait clac clac sur moi. Non? Bientôt la saison 6 de Better Call Saul, il me semble. What? Non. Mais server bug aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Attends, comment ça, Better Call Saul? Mais c'est fini, non? Down to 15 seconds. Comment ça, la saison 6 de Better Call Saul? 10 seconds to go. Vu que t'as bien aimé Squid Game, regarde la série Alice in Borderlands. J'ai regardé le teaser, ça a l'air naze. 5 seconds remaining. Ça a l'air pas ouf, quoi. C'est le même type de tiré avec des épreuves type jeu excellent. Ouais, j'ai regardé le trailer. Je trouve ça très mal joué. J'ai pas du tout aimé. Il manque un truc. Il y a un truc qui m'a pas inspiré. Il m'a pas inspiré. C'est coréen? C'est pas japonais plutôt? Alice in... machin, hein. Borderlands? Ou Brotherland? Ça lag, c'est horrible. Pardon. Je crois que c'était japonais. Si c'est japonais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Merci infiniment, Rafale. T'es un putain de monstre. Sache-le. D'avoir offert la possibilité à 10 personnes au final. Leur droit de scolarité pour Silent, pour Malbof, pour Django Baptem, pour Psykaseb, pour Stud Joe Gaming, qui se font tous payer leur droit de scolarité ou leurs frais d'inscription en campus de la Salty Academy. Ça, c'est grâce à la putain de générosité de Rafale, le monstre. Merci beaucoup, poulet. Vraiment. Je te jure, c'est vraiment bien un test en vrai. Flo Tennis 95, je vais te poser une question et tu peux me prendre pour un vieux con. T'as quel âge? Laisse-moi deviner, t'as moins de 20 ans. Me mens pas. Ah non, c'est toi qui réponds. Non, je crois que c'était... T'as quel âge, Flo Tennis? Dis-moi, vraiment. No troll. Mister Robot, ouais, c'est pas mal. Ça manque de quelque chose, mais c'est parce que l'acteur principal est très bon. T'as 17 ans ouais. Bah écoute, dès que t'as du goût, tu me rappelles. T'arrives avec les poils. T'inquiète. De pute. Non, je rigole, mais non, Punisher, c'est naze. Vraiment, en revanche, mon poulet, Flo Tennis, j'aimerais avoir ton âge parce que je peux te donner toute une liste de trucs. Et s'il y a une série où je te dirais, regarde-la, tu vas kiffer. Et si je me gourre, je me coupe une coupe. Vraiment. Tu m'as parlé, tu m'as dit, t'aimais les films de guerre, c'est ça? Est-ce que t'as vu Band of Brothers? Viens pas me parler de The Punisher. Tu me dis, le premier truc que t'as dit dans le chat, c'est est-ce que t'aimes les films de guerre? Donc là, je te repose la question, est-ce que toi t'aimes les séries de guerre? Est-ce que t'as vu Band of Brothers? Et avec tout le respect que je te dois, et je vais utiliser un ton extrêmement condescendant, si tu me parles de séries de guerre, si t'as pas vu Band of Brothers, me parle pas de séries de guerre. Et je pense que tous les gens qui ont vu Band of Brothers pourront dire, ouais. Ça, c'est la référence. Là derrière c'est Tom Hanks, Spielberg quoi. Là on parle d'un truc quoi. Ouais. Encore un truc de vieux ton film. Mais va te faire enculer.
Vous vous rendez pas compte, les amis. Vous vous rendez pas compte. Encore un truc de vieux. Justement, sur Netflix, à l'heure actuelle, ils savent tellement pas quoi faire. Ils savent tellement pas quoi faire. Qu'ils reprennent tous les concepts des films de vieux que vous avez jamais voulu regarder. Parce que c'est trop difficile d'aller regarder des films de vieux. Et ça fait un peu chier de regarder des films de vieux. Ils vous ressortent tous les films en version série. Parce que c'est trop difficile de regarder une heure et demie de machin. Il faut regarder des contenus très snackables, etc. Et vous dites, c'est des trucs de vieux. Ils vous ressortent la même chose, au final. Squid Game, Battle Royale. C'est la même chose. C'est la même fucking chose, quoi. Tous les trucs, quoi. À chaque fois, ils se sont dit, attends, Shawshank Redemption, c'est l'un des meilleurs films, machin. Ouais, les jeunes l'ont pas vu. Non, ok, on a qu'à faire Prison Break. Ok, d'accord. Et après, c'est quoi? Attends, regarde tous les top 10 des films et tu te dis, il y a une série qui a été faite pour Netflix pour les jeunes. Donc, me dites pas ça, sérieux. Me dites pas ça. Il y a une différence, les amis, entre jeune, vieux et cultivé, quoi. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vous faites de l'agisme, les amis. Hein? Parce que ça, les jeunes, à moins de 20 piges, nous rappeler le racisme. Ça, c'est un mot qu'ils connaissent. Mais l'agisme, c'est la même chose. Ok? De considérer, de faire, pas en fonction de l'âge, de se permettre de dire des trucs de merde. Mais c'est ouf, sérieusement. C'est juste un manque d'expérience, au final. Moi, quand j'avais 20 piges, ok, je regardais des films de 1950, ok. Je regardais Le Salaire de la Peur. Et donc, c'est pas une question de vieux ou de pas vieux. C'est juste une question de culture ou de pas de culture, au final. D'ouverture d'esprit et de pas d'ouverture d'esprit. Si vous êtes fermé d'esprit, bah, restez fermé d'esprit. Mais venez surtout pas dire après, ouais, c'est un truc de vieux. Non, ça, ça vous fait passer pour des jeunes cons. L'agisme, jamais entendu parler. Bah t'inquiète, c'est le prochain truc qui arrivera. Hein. L'agisme, c'est l'agisme. Racisme, les races. L'agisme, l'âge. J'ai 21 ans et Le Salaire de la Peur est une bête de film. Bah sois fier de toi, putain. C'est pas une bête de film, t'es obligé de le voir au final. T'es obligé de le voir. Là, je m'énerve contre les personnes qui disent ouais, c'est un truc de vieux. Parce que sous prétexte qu'un film est un peu vieux, quoi, tu vois. Ouais, il faut un truc édulcoré, quoi, tu vois. Il faut que ce soit facile à voir, facile à machin, facile à truc, quoi. Ouais. Merde, je me fais péter du coup. J'ai déjà regardé les Goonies. Ouais, bon là. Moi, je l'ai même pas vu en revanche. C'est en 6ème que j'ai regardé Band of Brothers. Non mais vous voyez ce que je veux dire, sérieusement. C'est que du recyclage partout. Netflix, c'est du recyclage. C'est... à chaque fois qu'ils font une série, c'est quel est un film qui a marché et comment est-ce qu'on peut le refaire au goût du jour, parce qu'on sait très bien que les jeunes veulent pas un truc qui a plus de 10 ans, ils le veulent en ultra HD 4K. Voilà quoi. Donc... Mais il y a des trucs très bien, attendez, vous êtes ouf, hein. J'arrête pas de dire sur Netflix, il y a des trucs très bien, machin, des documentaires de ouf, des séries de ouf et tout. Squid Game, c'est très bien, moi j'ai vraiment adoré, hein. J'ai passé un bon moment. Et surtout en super qualité, avec vraiment du... C'est vraiment hyper cool, quoi. Et venez pas me parler de trucs vieux, etc. Ça vous fait juste passer pour des cons, quoi. Mais pas des cons par rapport aux vieux, hein. Des cons par rapport à vous-même dans quelques années. Hein. Dans 10 ans, vous vous direz, putain, qu'est-ce que j'ai été con quand je disais ça. Vous-même, hein. Pour les 2-3 personnes qui disent ça, hein. Ouais. Sérieux, t'as pas vu les Goonies? Ah non, j'ai pas vu. T'as vu The Pacific Six? Ouais, mais il est moins bien que Band of Brothers, je trouve. Lone Survivor, très bon. Saving Private Ryan, Full Metal Jacket. Ouais, oh là là. Lone Survivor, je suis pas un fan. Mais Soldat Ryan et Full Metal Jacket. Putain, ben, ouais. Et même après, t'en as plein des films de machin. La Ligne Rouge, c'est un classique. Platoon, c'est un classique. Apocalypse Now, tu peux pas ne pas l'avoir vu si tu parles de films de guerre, pour le coup. C'est quand même des classiques aussi, quoi, je pense. C'est les classiques. Les classiques. Ça fait partie du... Si vous considérez que c'est une espèce de visite au musée, eh ben c'est une certaine visite au musée, quoi. Mais ça fait partie d'une espèce de patrimoine qu'il est important de continuer à regarder, je pense. Voilà, quoi. That's it. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, justement, il y a moins d'originalité. Et même dans les jeux vidéo, quoi. Tu dis, ok, mais attends, mais ce jeu-là, on dirait en fait la même chose que ce jeu-là d'il y a 10 ans, quoi. Et tu vois, c'est une copie d'une copie, quoi. Et si les gens, du coup, se disaient, et surtout les plus jeunes, allaient, se renseigner sur la source des choses, peut-être que ça pousserait les éditeurs ou les producteurs pour les films, séries et ou jeux vidéo
à chercher à se creuser un peu la tête, quoi. Plutôt que de se dire, bon bah alors, on a qu'à faire une version comme ça de ça, en fait. Ah, ok. Pas très bien. Léon, il est génial comme film. Ouais, il est très bien. Bon, après, c'est un exceptionnel. C'est un film très très bon, très très bon. Mais bon, c'est pas non plus un... Moi, c'est mon film préféré, Léon, ok. Mais après, c'est pas non plus un film mythique, quoi. Tu peux pas dire, t'es obligé d'avoir vu Léon, tu vois. En revanche, tu peux dire, t'es obligé d'avoir vu Shining. Ouais, je pense. Ouais. Il y a des trucs comme ça qui sont des monuments que t'es obligé de les voir. Obligé. Et c'est une obligation. Et moi, j'aimerais qu'on lobotomise et redécouvrir des films comme ça, quoi. Vraiment, vraiment. Mais après, je les vois avec l'œil que j'ai maintenant. Et l'âge que j'ai maintenant. Et si j'étais plus jeune, ça se trouve, ça me casserait les couilles. C'est possible, franchement, c'est possible. Bien sûr. Si j'avais 15, 17, désolé, mais 15 ans, peut-être que je regarderais The Punisher aussi, quoi, en me disant, ouais, c'est vraiment pas mal. Davis pour les 2 mois, vous êtes des monstres, les amis. Great work, keep on going. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you very much. Fight Club, ouais, grave. Pulp Fiction, bien sûr, t'es obligé de voir Pulp Fiction. Moi, j'aime pas, hein. Man on Fire. Ouais, Man on Fire. Mais quitte à parler de films d'action, il y a vraiment des films d'action qui ont tout changé. Die Hard, par exemple. Die Hard, c'est un film d'action qui rentre dans les films cultes. Man on Fire, c'est un super film d'action pour plein de raisons, etc. Mais c'est pas un film culte. Die Hard, il faut le regarder en fait parce que c'est la première fois que dans un film d'action, il y a eu un changement. Enfin, c'était l'une des premières fois où un personnage n'était pas Sylvester Stallone, n'était pas Arnold Schwarzenegger, c'était pas un mec qui était bouffé, enfin qui bouffait des stéroïdes et qui niquait tout le monde à un one man army quoi. C'était un monsieur tout le monde, un peu gugus quoi, qui se retrouvait un peu là malgré lui. Et ça a énormément changé la façon d'apporter des personnages du type héros Die Hard. Vraiment quoi, John McClane, à la base ça devait même pas être Bruce Willis quoi. Mais ce film oui, mais c'est plus pour les personnes qui sont à mon avis passionnées de cinéma quoi, de connaître ça. Voilà quoi. L'arme fatale, non ça fait pas partie. Ça c'est un vieux film pour le coup quoi. Je pense pas, Reservoir Dog, ouais clairement. Voilà, c'est si t'aimes les... Bah si t'aimes le Tarantino close-up, comment on appelle ça, les huis clos quoi. Reservoir Dogs, ouais, pour moi, c'est... Enfin, Tarantino, c'est l'un des plus grands, quoi. Mais, par exemple, bah tiens, ne faisons pas non plus de l'agisme inversé, quoi. Reservoir Dogs, jeune, je crois pas que je l'aurais aimé, au final. Franchement, hein, j'ai dû le regarder plutôt relativement tard, hein, je pense. Hein. Je pense que, voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'à l'époque où j'ai regardé Pulp Fiction, quand le film est sorti, je crois que je l'ai vu pas trop longtemps après la sortie et j'avais trouvé ça naze, j'avais rien compris. Donc il y a aussi il y a une certaine éducation, je pense, un truc qui s'est passé quoi. Mais à 15, 16, 17 ans, Pulp Fiction, je pense pas que tu puisses kiffer quoi. Je peux comprendre hein, franchement, quand je vois des streamers et ou streameuses en l'occurrence avec qui ça m'avait fait marrer sur Twitter, mais qui disaient ouais franchement ben comment ça s'appelle ? Breaking Bad, c'est de la merde. Ah non, je me suis emmerdé devant Breaking Bad, quoi. D'un côté, forcément, je réponds en mode oh, tu es emmerdé, tu vois ? Alors que dans ma tête, je me dis ouais, je pense que si j'avais son âge, franchement, je serais aussi emmerdé. Au final, Breaking Bad, c'est lent, quoi. C'est hyper relou. L'intensité, la machine. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. T'as 12 ans, tu vas dans un musée, franchement, tu vas pas regarder des œuvres la plupart du temps en te disant « Waouh, c'est absolument génial, quoi. Il faut une culture, il faut qu'on t'explique, il faut une explication. » C'est un goût qui va mûrir. C'est la même chose que si tu bois du vin à 10 ans, si tu bois du vin à 15 ans, à 20 ans et à 35 ans, quoi. C'est la même bouteille, c'est le même vin, mais le goût n'est pas le même.
problème, c'est qu'aujourd'hui, l'action passe avant l'histoire. Oh, je sais pas, hein, regarde Squid Game, en l'occurrence, y a une histoire derrière, quoi. L'histoire est pas mal. Non, merde. Ah, il est dans le... Il est ici. Allez, bah oui, mais tu pouvais pas mettre la tête avant. Il va pousser ce bâtard. Je joue avec toi, mon loulou. Ah mais c'est renforcé là, merde. Wait, he's in front of me, I think. Non, non, main stairs actually. La série The Haunting avec sa double lecture et le travail du réalisateur est magnifique. J'espère que tu l'as vu. Pas du tout. C'est aussi parce que ton palais change tous les 7 ans. Ah ouais? Ton palais change tous les 7 ans? Après, il faut aussi prendre en compte que maintenant, on a beaucoup plus de choix. Et à 15 ans, c'était TF1, M6 ou le cinéma. Maintenant, t'as le choix entre des milliers de films, donc il faut être plus exigeant. Ouais, mais t'as un système de rating aussi, tu vois. T'as un système de rating. Chose que t'avais pas vraiment à l'époque non plus, tu vois. Donc, oui, t'as peut-être plus de choix, mais t'as aussi la capacité d'être un meilleur expert sur... Enfin, t'as des reviews en fait, t'as d'autres personnes qui sont passées avant toi et qui vont te dire effectivement c'est pas mal ou effectivement c'est moins bien quoi. Maintenant il n'y a plus un seul produit, film, série que tu vas commencer sans avoir déjà un avis ou, et la plupart du temps un a priori qui t'a été fait par les personnes de ton entourage qui elles-mêmes se sont renseignées par rapport à ci, par rapport à ça. Avant tu te rends compte, enfin si tu fais la comparaison avec les jeux vidéo, tu t'achetais des jeux vidéo en regardant l'arrière, quoi. T'imagines aujourd'hui faire ça, sérieusement? Tu regardais un truc, tu regardais la jaquette, tu disais « Oh, c'est pas mal !» Et t'y allais, quoi. Le jeu était pourri, sa race. C'était nul à chier. Ils avaient juste besoin de mettre deux petites impressions écran qui te donnaient faim, et c'était fini. Après, il y a eu des magazines et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas ce système de review. Donc, il y avait peut-être moins de choix, mais il y avait moins de capacité d'être un expert sur ta décision, au final. Donc je sais pas si c'est mieux ou moins bien quoi. On peut pas en tout cas justifier le fait que les personnes choisiraient des trucs qui soient forcément parce qu'il y a trop de choix forcément mauvais quoi, tu vois. Si que t'as déjà vu Chariot of Fire. Après j'ai pas tout vu hein. Vraiment. Pareil pour les DVD maintenant t'as Netflix. Ouais. Merci infiniment, pardon, Kizerwi, pour les 7 mois de transcolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Lire la boîte du jeu dans la voiture, nostalgie. Ah putain, ça c'est toute ma jeunesse. Hein. Non, mais vraiment, non, mais on n'en parle pas, mais ça c'est toute ma jeunesse. Hein. Ça c'est vraiment toute ma jeunesse. Hein. Quand t'habitais à la campagne, voilà quoi. T'habitais à la campagne, mes parents ils n'avaient pas un rond. Donc déjà, quand t'achetais un jeu, je te jure, c'était wouh, tu vois, c'était jour de fête quoi. Hein, et quand t'avais un jeu, je peux te dire, tu kiffais ta race. Hein. À l'époque, le manuel, tu le lisais. Hein. Oh putain, ça a l'air extrêmement intéressant. Ils ont même un lexique. Et tu lisais ça dans la bagnole qui te séparait la ville d'à côté de chez toi de ta campagne profonde, quoi. Ah, ça c'était mon truc, ça. X, quand est-ce que Youngtis joue son prochain match? On les a virés parce que c'est des cons. D'autres questions? Non, si, c'est vrai. Mais pas parce que c'est des cons. Non, ils sont partis. Let's go. On a fait un truc. Tapez point d'exclamation YNK. Vous allez voir, je plaisante. Alright, les amis. Quelle est la couleur de ça? Dépêchez-vous. Utilisez votre thune. Ma partie sera une. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu, ils ont perdu plein d'argent. Ils ont perdu plein de salty money. Et maintenant, ils peuvent utiliser cette thune. Ok? Voilà quoi. Non, point d'exclamation YNK R6, je crois. Voilà quoi.
Alright. Merci infiniment, Titbuzz. Non, pas merci à OveraGamer d'avoir offert la possibilité à Titbuzz ses droits de scolarité. Un monstre, vous êtes des putains de monstres, les amis. Des putains de monstres. 154 nouveaux étudiants sur le campus de la Salty Academy. Avec beaucoup de générosité, en particulier de la part de OveraGamer, de Éclair au Chocotube, de Rafale 4, des monstres, quoi. Ouais, voilà, il est là le truc. Et donc, vous avez une vidéo qui est sortie. Si vous voulez voir Youngtis, il y a une vidéo qui est sortie. Vous l'avez vue, point d'exclamation YT. Voilà, n'hésitez pas. Donc ça, et après, il y aura un autre Youngtis Royal, normalement, début novembre. Mais je vous le dis, tout dépendra de... ça. Alright ? Hein ? Tout dépendra de si je repars à la guerre. Non, tout dépendra de Rainbow Six. De lapsus non révélateur, de Battlefield. Ok ? Voilà. On verra, on verra. Merci OveraGamer d'avoir offert la possibilité à Mini Lapinou de devenir un nouvel étudiant au campus de la Salty Academy. 572 abonnements offerts OveraGamer. Putain, mais le monstre quoi, sérieux. Putain, mais t'as gagné, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait du Bitcoin ou pas ? Et c'est quand vous voulez les surveillants pour la couleur du pack, hein ? Putain, je te jure. Aïe, 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 aïe. Alright. On attend. Déjà fait. Quoi, comment ça déjà fait? Il est... Le truc a déjà été fait? La prédit a déjà été faite. Oh putain. Ouais, c'était juste pour voir si vous suiviez. Merci infiniment Vixis d'avoir offert la possibilité à toi-même en fait de payer tes droits de scolarité depuis 3 mois. Vous êtes des monstres. Et merci OveraGamer pour Ludz3333 aussi. Nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Des putains de monstres, sachez-le. 3-2-1, ça c'est violet. C'est violet bleu. Vas-y, j'ai que du bleu en ce moment. Bah nique-toi, franchement, j'en ai ras-le-bol. Ok, let's go. Qui veut se refaire? Ça, c'était bleu. Un autre. Merci, OveraGamer. Voilà. Et pour toutes les personnes qui se font payer leur droit de scolarité et qui voulaient, puisqu'on est toujours sur Rainbow Six, point d'exclamation, charme. Alright. Vous avez quand même le charme si on vous offre vos droits de scolarité. Voilà, c'est important de le rappeler. Alright. Voilà. Et autre chose, s'il vous plaît. Merci infiniment. Oh là là, le monstre. Vous êtes des monstres, sérieux. Merci le Guise d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. 2750 étudiants au campus. Merci le Guise d'avoir offert la possibilité à Sanko, Bonzir, Sixped, Jolan, Keitaro, Mika, Vodka Kiwi, Extra, Popo UTM, Penpen 90, leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour le Guise, pour Rafale, pour OveraGamer. Et qu'est-ce qu'on a offert à l'heure 50 et j'ai complètement oublié. Putain, j'ai pas le droit. Hein. C'est inadmissible. Il y avait Sourigno qui était là aussi. Ouais, Sourigno. Le monstre. Alright. Bon, du coup, alors. Ça. Guys. Hein ? Et il est déjà fait, le truc, ou pas ? Mais il n'y a pas de verre dans le jeu ? De quoi ? Comment ça, il n'y a pas de verre dans le jeu ? Si, il y a des verres, Rodrim. Ça fait combien de temps que tu n'as pas joué à Rainbow Six ? Maintenant, il y a des verres dans le jeu. Quelle est la couleur du pack ? Ah, c'est en cours. Allez. 3, 2, 1. Let's fucking go. Si, si, maintenant, il y a des verts. Hein. Si, maintenant, c'est vert. Maintenant, il y a blanc, vert, bleu. Merci infiniment. Merci, poulet. T'es un putain de monstre, AG1. Merci, poulet. Vraiment. Vous êtes des monstres. Des putains de monstres. Vraiment. Merci beaucoup. Train de la hype, tout ça. Vous êtes des monstres. Vraiment. Deux trains de la hype, dont un à 880% de tout à l'heure. Des putains de monstres. Sachez-le. Des monstres. Ah ouais, depuis quand? Depuis la dernière saison. Maintenant, il y a du bleu. Non, sérieusement, en plus. On peut aller le voir là. Opérateur, Defender. Pff, je sais pas si j'ai beaucoup de bleu, mec, mais là, si on va là, dans Loadout, je pense qu'on peut en trouver. Vert, vert, vert. Voilà, ça c'est vert. Vert maintenant. Effectivement, ça fait bizarre, hein, mais bon, c'est pas plus mal. Donc maintenant, il y a du. Il y a plus de blanc? Si, attends, il y a toujours blanc et gris ou pas? Vas-y, je sais même plus au final. Non! C'est. Attends, attends, il y a plus de blanc? Hein? Est-ce qu'il y a du blanc? Ça me fume, je suis sub à beaucoup de gens que j'aime pas. Tu peux te désabonner, The Days. Gros bâtard, va. Ils ont mis vert pour différencier le blanc du gris. Non, ils ont mis vert surtout pour... oui, déjà d'une. Et puis parce que aussi, ça suit le côté qui existe depuis... franchement, je ne sais même pas. Dark Age of Camelot, même pas. Avant, je pense. Je sais plus comment il s'appelait, le jeu du dessus, là. C'est pas Tezo. Oh, je sais plus comment il s'appelait. Un putain de jeu là, avant Dark Age of Camelot, tout le monde jouait à ce MMORPG. WoW. Putain, L4D, j'ai envie de te ban quand tu me dis que WoW était avant DOC, sérieux. Un jeu en jeu du dessus là, et il y en a qui jouent encore dessus à Twitch là. C'est un truc de monstre. Ah, en vue isométrique là. C'est très très moche.
Oh là là, mais arrêtez les amis, vraiment, vous savez qu'en plus il faut que j'y aille. Putain, il faut que je ferme les portes du campus là. Merci infiniment Éclair au chocolat d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de devenir des étudiants au campus de la Soulty Academy pour Nocturne, pour HK416 Loopsack, pour Is No Good, faudrait que je le teste l'HK416 d'ailleurs. Pour Sharks, pour Linku, pour Beboubei, pour Relais, pour Pépé le Poub, pour Curry Soup et pour HFPS qui sont tous payés leur droit de scolarité au sein du campus de la Soulty Academy grâce à la putain de générosité de Éclair au chocolat. Et c'est pas la première fois de la journée. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Le Guise, Éclair au chocolat, Surigno, Rafale, tout ça. Hein, tout le monde. Ils ont été monstrueux aujourd'hui. Des putains de monstres. Ok? Vraiment. Merci évidemment, Tokyo, je la baise. Ok. Merci pour tes 4 mois de frais de scolarité, poulet. Et merci à G1 aussi, nouvel étudiant, bienvenue. Je ne fais que dire le pseudo. Ok. Je ne fais que dire vos pseudos. Je respecte les pseudos. Hein, hein. Alright. Bon, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, s'il vous plaît, les amis. Il y a une dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le campus de la Soulty Academy. Oui, oui, c'est pas des Rainbow Six. Oui, effectivement. Mais si vous pouviez la liker, commenter, partager, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et ça permet de payer les monteurs. Ok, 90% de la thune qui est générée sur YouTube part au monteur et au designer du campus de la Soulty Academy. Alright? Et c'est hyper important. D'accord? Voilà. Et merci infiniment Le Guise. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? C'est vendredi soir, c'est ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Il faut que je parte! Arrêtez! Merci Raxayer. Merci pour Raxayer, pour Un Inconnu, pour Tagadax, pour Zilao, pour Nyx le Rageux, pour Colonel Hans, pour Bavalentin, pour Oni Karu, pour Sweetox, pour Geekies, pour Markov, Sanat, Superpower, pour Shazy RL, pour Atom 644 et pour Elgefire, qui se font tous payer leur droit de scolarité ou leurs frais d'inscription au campus de la Soulty Academy grâce à la putain de générosité de Le Guise que j'avais aussi oublié. Le Guise, Éclair au chocolat, je vais pas les citer parce que je vais encore oublier quelqu'un. Merci, vous avez été monstrueux aujourd'hui. Vraiment monstrueux. Yes, c'est vendredi, tout est permis. Ouais! Allez voir la vidéo. J'y suis, l'envoyez dans le chat, s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez. Likez, commentez, partagez. Likez, commentez, partagez. Merci infiniment, Éclair au chocolat, va offrir la possibilité à Dream, à Macric, ils vont pas laisser partir, à Itriople, à Dreams, et à quelqu'un, je sais pas, hein, je peux pas lire, leur droit de scolarité au sein du campus de la Soulty Academy. Merci Éclair au chocolat, des GG, des cœurs dans le chat s'il vous plaît. 218% sur deux trains de la hype aujourd'hui, avec le premier qui était à plus de 800%, le deuxième à 200%. Vous êtes des putains de monstres, sachez-le, ok? Merci Éclair au chocolat, merci Le Guise, merci. Merci au Vera Gamer d'avoir offert la possibilité à 28 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Soulty Academy, ainsi pour Neto, pour Tropic, pour El Chilen, pour Sunshine, pour El Senior, pour Lady Seattle, Romine, Fuluk HD, Not Midlau, Maître Renard, Kev, Psychotique, Rizmira, Rayav, Nictou, Kazu, Samblaze, La Cartouche 29, Age of Skos, Maxou26FR, West Goat, Kami RL, Brandon, Goldlan, Kevin Diesel, Ushus Shiro, Just Ned, Jul O, et Godza, et Godza... J'ai rendez-vous à 20h, les mecs, ok? Merci pour Godza aussi, 28 droits de scolarité, envoyez des GG, des cœurs pour revoir un gamer, ok? Allez le voir en DM, envoyez-lui un cœur, envoyez-lui un GG. Dites-lui que c'est un monstre, ok? De ma part, ok? Ça me ferait extrêmement plaisir. Over a Gamer, t'es un putain de monstre. Merci aussi Éclair au chocolat d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité ou le frais d'inscription au campus de la Soulty Academy. Pour Liquid Hugo, VX1Up, Steoya, Qcras et Alex1315 qui sont tous payés leur droit de scolarité ou leur frais d'inscription au campus de la Soulty Academy. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci, je disparais de vos écrans. J'envoie les crédits pour justement remercier toutes les personnes qui vont défiler très très rapidement à l'écran parce que ça va aller super vite parce qu'il y a plein de gens avec des donateurs, des surveillants, des membres du Soulty Fan Club, anciens étudiants, nouveaux étudiants du campus de la Soulty Academy et toutes les personnes qui font que la Soulty Academy ira to the fucking top. Ok? Tôt ou tard, même si j'ai 70 ans, on ira to the fucking top. Sachez-le. Alright? Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite à tous un bon et un agréable vendredi. Profitez de vous, profitez de vous-même, profitez de votre mère, votre père, s'ils sont toujours là, des personnes qui vous aiment autour de vous. Profitez de votre week-end, profitez de votre vendredi soir. On se retrouve normalement demain. N'oubliez pas, il y a aussi les Campus Cup, point d'exclamation CC sur le Discord de la Soulty Academy. Discord, c'est discord.gg/Soulty Academy, c'est tout attaché. Ok, vous pouvez pas vous tromper. Vous allez sur le Discord de la Soulty Academy et vous pouvez participer au Campus Cup. Non, c'est pas vrai en fait, parce que j'ai complètement oublié, mes inscriptions sont arrêtées depuis ce
soir, 23h59. Non, hier en fait, 23h59, minuit. Donc vous pouvez plus participer. Mais vous pouvez quand même aller soutenir les personnes qui vont participer au Campus Cup. Alright, c'est extrêmement important. Bref, merci infiniment à tous. Aussi, j'oubliais, dans 2 semaines, il y a une putain de compétition. 3000 euros à se faire dans la poche. Ouais, sur, répartis sur 3 mois sur Rainbow Six. Vous vouliez du Rainbow Six, il y aura du Rainbow Six. À la fin du mois, il y aura aussi les Salty Fucking Duel. Avec des gros, gros noms. Dont un qui commence par S et qui termine par Heiko. Alright, bam, le teaser vient d'être envoyé pour les vrais de vrais qui iraient jusqu'au bout. Alright. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci infiniment. On se retrouve normalement demain sur le campus de la Salty Academy. Et sur ce, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes, on est salty. Oui. Mais pas que.